Bonjour, bonsoir à tous. Mon nom est Pierre Abraham et je suis cofondateur avec Annie Laforêt de Conversation Papillon et de son académie. Alors, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui et de vous retrouver pour ce troisième et dernier atelier de la série sur les pouvoirs de l'eau quantique et la pratique de la méthode TEIS en compagnie de Stéphane Drouet et Stéphanie Laville. La plupart d'entre vous connaissez déjà bien Stéphane et Stéphanie, mais pour ceux qui se joignent à nous pour une toute première fois, laissez-moi vous les présenter. Stéphane Drouet a d'abord été juriste et ensuite expert conseil où il a accompagné des hommes et des femmes à intégrer le changement dans leur vie professionnelle pendant 18 ans. Après une expérience d'état modifié de conscience bouleversante vécue dans le sud de la France, l'étude et l'accompagnement de l'humain ne l'a plus quitté. Spécialiste des neurosciences, Stéphane fonde en 2011 l'approche quantique Arcantis, basée sur 10 paradigmes novateurs en matière de développement humain. Stéphane Drouet est l'auteur de 4 livres publiés aux éditions d'Angle, dont « La révolution quantique de la pensée »,« L'intelligence quantique du cœur »,« L'intelligence autonome du corps » et enfin son dernier ouvrage « L'eau et la conscience quantique ». Stéphanie Laville, quant à elle, est issue des métiers de la communication. Après 10 années dans ce domaine et suite à un burn-out, elle s'oriente vers la naturopathie pour 4 années d'études et d'installations simultanées. Dans ce cadre, elle fait la rencontre de Stéphane, des neurosciences et de l'approche quantique PEACE, dont elle suivra la formation en 2018 à Montréal. Première praticienne pratiquant sur le territoire français, Stéphanie accompagne depuis les femmes et les hommes dans leurs différentes étapes de vie, mêlant à la fois la naturopathie, le quantique, la méthode PEACE et l'approche corporelle. Aujourd'hui, Stéphane et Stéphanie proposent une approche thérapeutique très avant-gardiste, mêlant psychothérapie transpersonnelle, épigénétique, neurosciences et, évidemment, physique quantique. Mais juste avant de débuter officiellement, je vois qu'il y a déjà plusieurs habitués dans la salle. Vous êtes bien rodés et vous connaissez bien notre rituel pour accueillir nos formateurs et conférenciers. Comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, nous avons l'habitude d'écrire prénom et endroit d'où nous venons dans le monde pour bien accueillir nos formateurs et nos conférenciers. Donc, permettez-moi d'accueillir quelques personnes qui se sont joints à nous. Mélanie de Québec, Isabelle de la Charente-Maritime, Françoise de Belgique, Arak de la Tunisie, Livia de France, Marité de São Paulo au Brésil, Monique de Bordeaux, Odile de l'Écosse, Serge de l'Aude, Nicole de l'Islande, Véronique du Dauphiné, Catherine de Mulhouse, Yves de l'Île-aux-Moines, Christian des Vosges, Elisabeth de Tel Aviv, Enya de Compiègne, Philippe de la Suisse, Nadia de Los Angeles, Denise des Écureuils à Portneuf. C'est tout près de chez nous, ça, Denise. On peut déjà lire aussi de très beaux messages dans le chat déjà et je vous en remercie. Alors, il y a Michel qui nous partage. Bonsoir, votre technique est d'une telle efficacité que ça en est confondant. Elle pulvérise les blocages conscients et non conscients. Merci infiniment. Il y a Noëlla qui nous partage ceci, des propos très denses, mais pertinents avec la mise à jour avec différentes recherches. Merci. Jossie qui nous dit à tous, belle aventure pour ce troisième atelier sur l'aspect spirituel de l'eau. Régalez-vous tout comme je me régale depuis le tout premier. Et enfin, Geneviève de la région méditerranéenne de la France est super heureuse d'écouter la troisième partie de ce fantastique atelier qui est vraiment très prenant et tellement bien expliqué. Ben, merci pour vos très touchants témoignages. C'est vraiment agréable de vous lire. L'atelier d'aujourd'hui sera un peu différent des deux premières rencontres, car il viendra conclure les deux premiers ateliers de la série, bien sûr,
Et je vous rappelle qu'ils sont toujours disponibles pour réécoute si vous souhaitez les revoir. Mais nous prendrons aussi un moment pour vous présenter le programme de formation et d'accompagnement qui suivra ces ateliers pour ceux et celles qui souhaiteraient aller plus loin et poursuivre avec Stéphane et Stéphanie au cours des prochains mois. Comme toujours, évidemment, nous prendrons aussi le temps à la fin pour répondre à vos nombreuses questions. Comme il y a beaucoup de contenu et d'informations à partager aujourd'hui encore, nous allons débuter dès maintenant. L'atelier d'aujourd'hui s'intitule « Vibrer une vie illimitée grâce à l'eau et à ses pouvoirs infinis ». Comme nous l'avons vu depuis les derniers jours, l'eau nous rend illimités. Aujourd'hui, nous irons encore plus loin et nous verrons concrètement comment cela se passe dans notre corps et dans notre vie. Stéphane et Stéphanie, bienvenue à nouveau sur les ondes de Conversation Papillon. C'est encore un plaisir de vous accueillir pour ce troisième atelier. Bonsoir Pierre, bonsoir à tous. Bonsoir Pierre aussi, bonsoir à chacun. Comme vous l'avez vu, on a de nombreux témoignages, les gens sont conquis, sont emballés. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la place pour débuter ce troisième atelier qui sera assurément passionnant. Bonne rencontre à tous. Merci Pierre. Merci Pierre. À tout à l'heure. Alors, on va peut-être s'engager sur les premiers slides avec une synthèse peut-être. Oui, on vous propose une synthèse de l'atelier 1 et 2, une synthèse par rapport à ce qu'on a pu évoquer dans les deux premiers ateliers, et on vous la propose sous forme en vous réexpliquant ou expliquant le circuit d'information de la vie, comment se déroule notre vie et sous forme de schéma. Alors, voilà. Je vais faire le petit pointeur laser comme ça. Alors, bonsoir à tous d'abord. On est vraiment ravis de vous retrouver. J'ai envie de partager une expérience très rapide d'une consultation que j'ai vécue hier avec, on va l'appeler Joël, voilà, comme cela, et qui va illustrer un petit peu le propos aussi ce soir de cette synthèse. Joël qui était atteint de Parkinson déjà depuis un certain temps, et qui pratique l'approche PIS, le PIS au quotidien depuis un peu près un mois, et qui m'a dit en entretien hier, je ne prends plus de médicaments. Mais j'ai dit, si, tu prends tes médicaments quand même. Et il m'a dit, non, j'en ai plus besoin, je vais très bien. Voilà. Donc voilà, on va commencer le propos par ça, et c'est un peu notre quotidien depuis un petit moment, et on vous a parlé du cancer du pancréas de Betty il y a quelques temps, donc c'est assez émouvant ce que l'on vit, et vos commentaires tout à l'heure, vos témoignages sont aussi émouvants pour nous. Vous aurez d'autres témoignages tout à l'heure, des êtres qui nous suivent déjà depuis un certain temps, qui ont suivi nos programmes, qui ont suivi nos formations, et qui sont à l'image de ce circuit de la vie, là, hein, ce cycle de la vie que vous avez sous les yeux. C'est assez émouvant de peut-être se dire que la vie nous traverse ou s'écarte de nous à travers juste quelques propos là que je vais partager avec vous. La vie, elle commence dans nos champs. Hein. On met en évidence d'abord que la vie commence dans nos champs autour de nous, dans ces champs qui stockent notre mémoire. Et cette mémoire est portée par des photons, par de la lumière. Et à chaque fois que ces photons, en fait, se rencontrent à travers nos rencontres relationnelles, eh bien, nous partageons nos mémoires dans l'invisible. Hein, c'est extraordinaire. Et cette rencontre, eh bien, elle est captée par nos liquides. Hein, ce sera un des slides qui suit. Mais retenez, en fait, alors pas tout de suite, mais retenez qu'en fait, on est sans cesse sous l'influence de ces rencontres. Voilà. Comme on dit. On pourrait croire qu'on a un libre arbitre, mais toute la physique quantique nous montre qu'on a très peu de libre arbitre. Essentiellement, cette idée qu'en fait, on peut se détacher des événements hein, ou on peut s'y attacher. Voilà. Je pense que ça va se situer à peu près là. Sinon, tout le reste, on est sous l'influence en permanence de ces champs qui nous entourent, à la fois de nous, hein, notre influence à notre niveau avec des réactions qu'on a qui sont spontanées en permanence et qu'on télécharge grâce à l'eau. Hein, mais en même temps, on est sous l'influence des personnes que l'on rencontre et de leur mémoire qu'on échange. On échange leurs photons qui sont absorbés par nos électrons et en permanence, eh bien, nous réagissons à ces rencontres. Et c'est ce qui crée des états de bien-être, des états où l'espace est présent, étendu, hein, où justement, au contraire, on a le sentiment de manquer d'espace à travers justement la réaction de nos liquides à la présence d'un être
qui, par son champ et sa mémoire, rentre dans notre champ et notre mémoire. On est en lien aussi avec le vide quantique à travers les liquides, non pas à travers cette mémoire, on a beaucoup insisté là-dessus, mais à travers, je dirais, tous les possibles du vide quantique au-delà de notre mémoire, ce qu'on appelle l'espace illimité, hein, c'est le sujet de ce soir, l'espace illimité qu'on entend souvent, de toutes les opportunités, tous les possibles, toutes les solutions, que ce soit en matière de santé corporelle, pour nos douleurs, nos symptômes, mais aussi pour notre santé émotionnelle, puisque nous avons tendance à percevoir les situations toujours de la même façon en fonction de cette mémoire qui nous entoure sous forme de cette bulle. Mais si nous étions capables, hein, ça va être aussi l'objet de ce soir, eh bien, de nous affranchir de ces bulles et d'être capables, dans certains espaces de conscience, de percevoir d'autres réalités au-delà de celles que l'on perçoit au quotidien. Et cela, on va passer, je dirais, au slide qui suit. Ça va être possible si nous sommes capables, avec nos liquides, d'absorber, je dirais, les photons du vide quantique à travers un état de conscience que l'on a appelé une conscience non locale et qui n'est pas limitée par nos pensées, qui n'est pas limitée par nos sensations, qui n'est pas limitée par nos émotions. Et c'est possible aujourd'hui, en tout cas c'est possible depuis le début de la vie, à travers des vortex qui se créent naturellement dans nos liquides quand à la fois nous sommes dans l'action et en même temps nous nous abandonnons au résultat de notre action plutôt que de vouloir que cette action donne certains résultats que nous attendons. Donc on a vu la fois dernière que quand le masculin qui veut et le féminin qui s'abandonne au résultat de ce que l'on veut, si je puis dire, eh bien se manifestent ensemble, des vortex se créent naturellement dans nos liquides à travers ces deux consciences, une qui va du passé vers le futur masculine et une conscience qui va du futur vers le passé et qui convergent l'une vers l'autre et qui créent des vortex à leur rencontre. Les liquides aujourd'hui, c'est probablement une des sciences de la physique quantique qui est émergente depuis les années 2010, qui est en train de prendre beaucoup de place petit à petit dans les débats, et aujourd'hui il y a très peu de place aujourd'hui au niveau du bien-être. C'est pour ça qu'on a souhaité vous partager ces ateliers, mais aussi vous partager un programme de 6 mois qui est totalement pionnier, avant-gardiste, puisque je dirais en 13 ans je dirais de chemin à travers le bien-être, je pense que je n'ai jamais entendu jusqu'à présent ce type de partage. Et donc, eh bien, on a à cœur de partager ça avec vous, à la fois ce soir et puis peut-être au-delà pour ceux qui veulent. Donc, les liquides sont au centre, je dirais, de notre vie, puisque ces liquides, dans un état particulier, le 4e état de l'eau, donc ces liquides quantiques, sont capables d'absorber l'information à la fois de nos bulles, hein, de notre mémoire, qui nous maintient dans une, je dirais, une sorte de souffrance au quotidien, hein, une dépendance vis-à-vis de l'extérieur, où ces liquides sont capables de se connecter dans certains états qui sont des états cristallins, hein, des états très ordonnés, de se connecter à l'entièreté, la totalité des solutions et des opportunités, des possibilités du champ quantique, qui vont nous permettre de percevoir les événements différemment et de nous sentir en paix à travers ce qu'on a appelé la conscience non locale. Alors, ce n'est pas nous qui l'appelons comme ça, hein, c'est la physique quantique. Donc, je ne vais pas passer trop de temps ce soir parce que ce n'est pas forcément le propos, je vais vraiment à l'essentiel. À travers ces informations qui sont captées par nos liquides sous forme d'un 4e état de l'eau dans nos tissus, eh bien, ces liquides vont amorcer des mouvements liquidiens sous forme de mouvements électroniques qui vont être captés par nos tissus nerveux sous forme de messages nerveux et qui vont transiter par nos nerfs vagues, qui sont deux nerfs vagues, ces grandes autoroutes, je dirais, neurologiques. L'un qui est un nerf vague ventral qui est le plus évolué, qui va plutôt nous amener à une espèce de confiance, de foi, de silence, de paix intérieure. Et puis un autre nerf vague, un nerf vague dorsal, qui a plutôt tendance à nous ramener dans le passé et à figer nos tissus en fonction, je dirais, des réactions qu'on a eues dans le passé. Ces réactions deviennent spontanées. Et en même temps, ce dorsal, ce nerf vague dorsal, va amorcer un mouvement de libération qui va se faire totalement lorsque, je dirais, ces courants nerveux vont à la fois passer par le dorsal, puis être repris par le ventral pour un mieux-être intérieur. Et on n'est même pas encore dans la tête, ça va passer par le cœur, le cerveau du ventre, le cœur, ces messages qui sont uniquement nerveux, puis arriver à la tête. Et là, on va se sentir soit dans un mal-être, hein, un sentiment de constriction, je dirais, de pression, soit on va se sentir dans un sentiment d'espace. Manque d'espace, espace illimité, et c'est aujourd'hui notre quotidien où finalement on vit ce bien-être ou ce mal-être. Ces messages vont être interprétés par le cortex, qui vont donner des sensations d'abord, puis des émotions, puis des pensées. Ces messages redescendent
dans nos cellules sous forme de neurotransmetteurs sur la base de nos émotions et vont avoir un impact sur notre génétique. On appelle ça l'épigénétique. Je vais vraiment à l'essentiel. Hein. Alors, on avance un peu. Dernier point qui est très important, qui va faire vraiment l'objet de notre partage ce soir, c'est comment on peut avoir une influence. Vous avez vu que les liquides ont une influence sur nos états de conscience. Comment nos consciences peuvent aussi avoir une influence sur nos liquides. Vous avez vu ça dans le cadre des travaux de Matsuo Emoto, du chercheur japonais. Eh bien, soit on a une influence à travers une conscience qui est personnelle, les sensations, les pensées, les émotions, hein. Et ça, ça se fait, je ne l'ai pas dit la dernière fois, sous forme de photons également, j'ai omis de vous le dire, mais les travaux du chercheur Michael Persinger, dans les années, 2005, 2010, 2015, parce qu'il est décédé en 2016, je crois, de mémoire, ou 2017, un an après, eh bien, ont mis en évidence qu'à chaque fois que nous sommes dans certains états de conscience, qui peuvent être à la fois localisés ou délocalisés, eh bien, on observe une manifestation, une expression de photons, hein, une manifestation, une production de photons. Et là, on commence peut-être à comprendre que notre conscience échange avec les liquides sur la base de la lumière et des photons. Et donc, notre conscience locale, personnelle, pensée, émotion, sensation, eh bien, a une influence sur la structure cristalline de nos liquides. Et cette structure cristalline va être capable d'échanger ou pas avec le vide quantique. Mais souvent, vous avez compris à travers nos échanges, eh bien, cette conscience personnelle a tendance à nous maintenir dans du connu, hein, c'est-à-dire notre mémoire, notre histoire d'enfant, cette mémoire qui s'est constituée dans nos bulles, et nous répétons inlassablement les mêmes schémas sans pouvoir en sortir, puisque nous sommes sans cesse sous cette influence. Mais ce qu'on vous propose depuis deux ateliers, et puis encore ce soir, c'est peut-être de percevoir qu'au quotidien, eh bien, nous œuvrons dans un espace qui est inévitable. Je ne sais pas si vous êtes conscient. C'est un peu comme les poissons qui ne sont pas conscients de vivre dans de l'eau. Hein. Regardez, essayez de sortir ou d'éviter la présence à ce qui se passe là. Ou peut-être à autre chose que vous pensez. Même si vous n'êtes pas dans la conférence, vous êtes en train de penser à quelque chose, et si vous n'êtes pas présent à ce que vous pensez ou ressentez, eh bien, vous ne pouvez pas vivre l'expérience. Regardez que vos pensées, vos sensations et vos émotions, vous pouvez les éviter. Quand je dis les éviter, elles vous traversent, mais vous pouvez les laisser juste vous traverser. Mais ce qui perçoit tout cela, vous ne pourrez jamais l'éviter. Hein. Il n'y a pas de jeu de mots avec l'évitation, hein. Mais vous ne pourrez jamais éviter, c'est inévitable d'être présent à ce qui se passe. Donc on voit qu'en fait, on pourrait dire qu'on est une espèce de fenêtre de conscience dans laquelle transite énormément d'informations, notamment des pensées, des événements, des personnes, des relations, des sensations, des émotions, et qu'en permanence, ce balai, je dirais, se passe très très bien si nous ne nous attachons pas à ces événements, ces relations, ces comportements, à la fois les nôtres et ceux des autres, et on est dans un balai très fluide entre, je dirais, notre présence qui perçoit les événements, et on n'a pas d'avis sur la situation, on commence à avoir un avis sur la situation quand nos liquides commencent à se coller, hein, les molécules d'eau commencent à se coller les unes les autres, et là on commence à souffrir. Hein. Donc, ce soir, on a envie de vous parler un peu de cet espace. Rappelez-vous, on vous a montré des images assez bluffantes, là, je dirais, dimanche, où en fait, eh bien, je vous ai proposé de voir une petite illustration de cet espace qui est le nôtre, qui est notre nature, puisque si nous sommes quelque chose, eh bien, ça doit être une identité permanente. Vous ne changez pas de carte d'identité tous les jours. Regardez, votre conscience mentale, votre conscience émotionnelle et sensorielle change en permanence. Vous ne pouvez pas être quelque chose qui change en permanence. Mais par contre, votre présence à tout cela est permanente. Même si vous voulez l'éviter, vous serez toujours, justement, en train d'essayer de tourner à travers cette présence. Vous pourrez même en prendre conscience si vous êtes présent à cette présence. Donc on voit que finalement, cette présence qui est cette fenêtre de conscience où, je dirais, l'espace laisse place à un balai d'informations, eh bien, tout à coup, quand on laisse place à cet espace très fluide et illimité, les choses se passent de manière très sereine. Vous avez peut-être pu l'expérimenter à travers la pratique du PIS il y a quelques jours. Et donc, on vous propose de revoir cette image, si je puis dire, de ce que l'on est, notre nature ultime et permanente, à travers ces images de la NASA, qui nous montrent des images de la profondeur de l'espace. Mais pas l'espace des astronautes, juste l'espace dans lequel on baigne, où notre conscience baigne.
Voilà, regardez un peu ces images qui sont saisissantes, où on ne voit rien dans un premier temps. Hein. On a le sentiment que c'est immobile. Et plus on va dans la profondeur de cet espace, de cette présence qui est notre véritable nature, plus nous apparaissons tels que nous sommes. Illimité, mouvement, fluctuation, indétermination, mystère. Voilà. Je vous laisse regarder. Ça se passe de mots. La question qui se pose maintenant, c'est si vous vivez à travers ce que vous venez là de percevoir, si vous redevenez cette véritable nature qui est la vôtre et que vous percevez votre réalité à partir de cet espace, comme je dirais en témoigne les expériences de mort imminente, hein, les personnes qui vivent cela et qui vous disent qu'en fait, bah, elles restent présentes à ce qui se passe, même si le corps, je dirais, est décédé, eh bien, elles restent présentes à ce qui se passe. Alors, votre corps ne sera pas mort, hein, rassurez-vous, votre corps sera toujours présent, mais il n'occupera pas tout l'espace, 100% de l'espace. Il occupera les 0,001%, dont vous serez conscient. Mais vous percevrez peut-être tous les événements à partir de votre nature, espace. Hein. Rappelez-vous, quand on cherche le bien-être, eh bien on recherche cette sensation d'espace infini et illimité. Et quand vous êtes face à un immense paysage magnifique, vous êtes à nouveau cette véritable nature qui est espace. Ce qu'on vous propose de voir, hein, Stéphanie, c'est Alain, c'est Pierre qui va lancer ça, je crois, c'est les témoignages des gens qui vivent à travers justement cet espace, à travers justement ces témoignages qu'on vous propose. On vous laisse juste écouter. Je te laisse Pierre aux commandes. Je pense que ça fait des gros changements dès la première fois. C'est un peu comme un petit état de grâce qui est là constamment au quotidien et qui nous accompagne. C'est très particulier aux gens atteints de sclérose en plaques. Les jambes sont raides, le corps est raide et on ne sait jamais si on va pouvoir marcher ou pas. Et au bout de 5-6 semaines, je me suis réveillée un matin. Je n'avais plus de douleur. La marche s'est faite tout à fait normalement dès le lever. C'est beaucoup de reconnexion à des sensations alors que je n'avais pas le souvenir avant. On n'écoute pas son corps avant. Et maintenant, on ne peut pas y échapper. Il est là, il est avec nous et ce qu'il a à nous dire, on est obligé de l'entendre. Puis on se reconnecte, c'est ça que je vois. Voilà des années que j'ai mal au dos et ce mal au dos est devenu comment dire une pathologie inflammatoire impressionnante. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des années, ce mal de dos s'est vraiment généralisé sur toute la surface du dos et est devenu vraiment comme une maladie inflammatoire. C'est-à-dire, ce sont des crises très violentes, de douleurs intenses. Même ces douleurs se sont calmées d'abord, ces douleurs de dos. Aujourd'hui, je n'en ai quasiment plus. Et on se laisse guider par les protocoles. Les protocoles sont bien faits, sont sécurisants et ils permettent aussi de recevoir souvent une révélation qui fait que ça apporte à la conscience la blessure ou le nœud se dissout. Premier bilan au bout de 2 mois, une première cure de 4 chimio avec un scanner donc en février qui a montré que les métastases, la tumeur en général avait diminué de 40%. Qui était un très bon résultat, un peu inattendu, puisque je partais vraiment de très loin. Je ne savais même pas si j'allais supporter la chimio, en fait. Et c'est une très grosse chimio. Et deuxième bilan que je viens d'avoir là, il y a 10 jours, où il y a encore une diminution, cette fois de 44%. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai automatiquement eu des prises de conscience de ce qui était le plus gênant à ce moment-là pour moi. Je suis arrivée dans un brouillard et ça m'a permis de commencer par un petit bout et de tirer le fil, mais ce n'était pas qu'un petit bout. Et immédiatement, bon, ça concernait ma famille, donc immédiatement, il y a eu un relâchement énorme le jour même. J'ai vu mon gastro en septembre et je l'ai revu en février. Et en fait, quand on a une dysbiose intestinale, on a des gaz intestinaux, voilà, c'est vraiment très désagréable, ça fait mal. Puis en plus, voilà, il y a d'autres problématiques, voilà, comme la rétention, ou enfin, bon, voilà, des maux de ventre, voilà, des diarrhées. C'est vraiment pas évident. C'était devenu un enfer pour moi. Eh bien, là, sur 13 gaz, je n'en ai plus qu'un.
tous ces problèmes, en fait, tous ces schémas répétitifs, ils sont collés à nous pour certaines raisons, on va dire. Et à partir du moment où on les fait passer au travers du processus PIS, parce que oui, on remet de l'espace pour pouvoir permettre aux choses de se dissoudre et de se décoller de nous, on va obtenir un résultat dans le concret. Je dénoue toutes les situations conflictuelles avec une facilité qui est juste incroyable. C'est-à-dire que j'ai l'impression que les choses se dégagent dans la relation aux autres, mais elles se dégagent presque à mon insu. Je ne fais aucun effort pour que les situations se dénouent et les situations se dénouent. Là où c'est le plus, le plus virulent, c'est sur les cancers de la prostate. Parce que là, il y en a un, il n'a plus rien, tu vois. Pourtant, il était figé, mais il a une polyarthrite rhumatoïde depuis 50 ans, tu vois. Mais dans les tissus mous, les pisses, alors ça défige. Ce que j'appelle les douleurs suicides, tellement c'est violent. Et puis, je me suis totalement paralysée, pendant plusieurs mois. Je ne pouvais plus conduire, je ne pouvais plus marcher. Et avec des médecins qui condamnent au fauteuil roulant dans un avenir très proche. Voilà. Aujourd'hui, je vis complètement normalement. C'est pas juste, il y a des choses spirituelles, on suit un enseignement. C'est au-delà d'un enseignement. C'est un processus intérieur, mais extérieur, c'est-à-dire physique. Et c'est en cela que c'est bon. Et il y en a un qui a été opéré, là, qui vient tous les lundis le soir au médite. Lui, il avait été opéré, donc son PSA a commencé à remonter. Et là, rien qu'avec les pistes, c'est redescendu à la normale. Cette maladie n'est pas une maladie, c'est une révélation. Notre corps nous dit quelque chose et il suffit d'apprendre à l'écouter, d'apprendre à s'aimer. Ou ce sont des blocs de subconscient qui vous arrivent à la conscience. Et donc, c'est dire la profondeur du travail, l'intensité du travail, parce que, évidemment, quand tu arrives à la conscience comme ça, on avance beaucoup plus vite. C'est vrai que quand j'entendais les gens dire « ça change tout », je me disais « ouais, c'est un peu marketing cette affaire-là ». Et en fait, vraiment, je dirais « ça change tout ». C'est un mouvement intérieur naturel. Et donc ça, c'est génial. J'ai fini par régler le sentiment de l'imposteur. Et après, la personne, elle devient elle-même son autothérapeute. Et du coup, c'est en cela que c'est énorme. Je fais rien et ça se passe bien. Voilà. Et en fait, je sens qu'il y a quelque chose qui se passe de manière extrêmement subtile, mais qui est bien au-delà de ce qu'on peut échanger en séance. Et ça ajoute une dimension à ma pratique incroyable. D'avoir matérialisé quelque chose qui nous ramène à ce chemin-là, c'est juste extraordinaire. Mais là, ça s'approfondit en fait pour ma santé, pour dans tous les domaines de ma vie. J'arrive effectivement là à retrouver la vie telle que je la voyais avec la foi, la conviction qu'on peut avoir enfant. Ça, c'est un grand, grand, grand bonheur. Et il y a une infinitude de possibles. Une infinitude de possibles. Avec PIS, c'est un accélérateur. C'est vraiment waouh. Merci Pierre. Merci Pierre. On va rebasculer sur nos supports. Après ces partages magnifiques. Émouvants. Oui. On est toujours très touchés de retrouver nos... Alors, je ne sais pas vous, mais quand la vie reprend ses droits, il y a quelque chose qui, à l'intérieur, se reconnecte à l'élan de l'enfant. Cet élan de vie naturel qui ne savait rien de ce monde et qui s'abandonnait à l'inconnu dans une foi totale. Il y a quelque chose qui est de cet ordre-là. C'est dans cet espace qui est le nôtre, notre véritable nature, que tout est perçu à nouveau à travers ce regard du nourrisson. Alors, vibrer à partir de sa nature, sa propre nature, qui est l'espace illimité, puisque c'est un peu quand même le sujet de ce soir, vibrer une vie illimitée,
comment se connecter à un espace illimité dans le champ, au-delà de notre mémoire, hein, qui est justement le maintien dans les 0,001% d'une réalité, je dirais, étroite et un peu reproductive et un peu conditionnée. Comment se connecter à ça ? Eh bien, en devenant nous-mêmes un nouveau espace illimité. Comment vous voulez, en fait, communiquer avec une entité si vous êtes différent de cette entité ? Regardez, quand vous êtes un adulte et que vous essayez de communiquer avec un enfant, c'est pas simple. Quand vous êtes adulte et que vous essayez de communiquer avec un adolescent, c'est peut-être encore plus compliqué, hein, vous avez remarqué. Donc, l'idée, c'est véritablement de se mettre dans le canal de l'autre, si je puis dire. Comment pouvons-nous communiquer avec cet espace infini, illimité, de ces solutions, ces opportunités, ces nouvelles perceptions, en devenant, redevenant nous-mêmes espace, hein. Donc, communiquer avec ce champ, ce vide quantique, cet espace infini, eh bien, ça va nous demander de nous mettre dans, je dirais, un champ de conscience où nous ne sommes plus limités par les pensées, les sensations et les émotions. Et par résonance, eh bien, nous allons créer un canal d'accès. Hein. Résonance, ce sont des notions en physique quantique. Et dans cet espace quantique, eh bien, on télécharge via nos liquides tous ces possibles nouveaux qui sont complètement inimaginables à nos pensées. Regardez les gens qui viennent de témoigner. Hein, qui sont complètement inimaginables à nos pensées, nos sensations et nos émotions. Ce qui émane de ces témoignages, c'est la surprise. Je ne sais pas si vous avez remarqué, la surprise. Hein, la surprise parce que, en fait, ça nous paraît complètement incroyable. Hein. Et donc, une fois que ces potentiels sont téléchargés par nos liquides dans cet espace de conscience qui est cette présence à tout, cette conscience non locale, eh bien, ces potentiels vont se télécharger dans notre quotidien, dans notre réalité de cette matière, ces 0,001%. Donc, retenez cette idée, si vous voulez communiquer avec cet espace illimité, redevenez vous-même cette nature illimitée. Hein. On avance. Ah, est-il possible alors de vivre sans modèle intérieur, sans avis, et de réinvestir alors ce témoin silencieux, de vivre dans cette conscience illimitée ? Comment est-ce possible ? Parce que là, on a mis un petit tableau avec deux colonnes, un modèle dit matérialiste et un modèle dit spirituel. Et quand j'ai découvert ce tableau, et peut-être ce sera pareil pour vous, j'ai eu un choc. Peut-être vous en aurez aussi. Alors, il y a 3 ans, maintenant 3 ans et demi, presque 4 ans, j'ai eu une prise de conscience qui a été majeure dans ma vie. C'est de prendre conscience qu'en fait, si je faisais le point sur ma vie, entre ce que j'étais il y a 13 ans, et ce que j'étais il y a 4 ans maintenant, j'avais basculé dans un autre modèle qu'on peut appeler le développement personnel, alors qu'avant j'étais soumis plutôt à des croyances de l'ordre du matérialisme, où j'étais plutôt enfant qui se soumettait à la société, et j'étais devenu révolté, adolescent, qui voulait justement rejeter les valeurs du matérialisme, et qui prenait d'autres valeurs qui étaient celles développement personnel. Et à un moment, je me suis posé et je me suis dit, mais finalement, quand tu regardes bien ta vie, est-ce que tu te sens moins dans la souffrance et plus heureux ? Et mon constat était de dire non. Non. Si je suis honnête avec moi, non. Je souffre toujours dans certaines situations. J'ai toujours une faculté à condamner ou à aimer les événements. J'ai toujours cette faculté, par moment, ressentir que ceci est bien, ceci est mal. Et la prise de conscience majeure que j'ai eue et qu'on veut partager avec vous ce soir, c'est que finalement, quand je prenais ma vie d'avant et que je la juxtaposais avec ma vie d'aujourd'hui, eh bien, regardez les lignes, en fait, rien n'avait vraiment changé. J'avais des objectifs de travail avant dans mon métier d'expert, j'avais maintenant une mission de vie à accomplir. Je comparais avant mes niveaux de vie, maintenant je comparais mes niveaux de conscience. Avant, je me soumettais à des lois économiques et sociales, maintenant je me soumettais à des lois universelles. Avant, je cherchais, pas mon prince charmant, mais ma princesse. Hein, et maintenant, je cherchais mon âme sœur. Je m'allongeais chez le médecin. Maintenant, je m'allongeais chez le magnétiseur ou le thérapeute. Avant, je me protégeais des microbes. Maintenant, j'essayais de me protéger des ondes. Avant, je cherchais l'amour passion. Maintenant, je cherchais l'amour universel. Je m'identifiais à une personne. Maintenant, je m'identifiais à une âme. Fondamentalement, rien n'avait changé dans ma vie. Juste les mots. Ça a été une claque pour moi, vraiment. Hein. Ça a été une prise de conscience que finalement, nous passons de modèle en modèle, inexorablement, et que de changer de modèle ne nous met pas dans le silence. C'est-à-dire que nos pensées qui changent de valeur restent toujours dans un modèle qui est connu, qui est celui de l'enfant et l'adolescent en nous,
qui sont des modèles connus que l'on a vécu, qui sont soit des modèles de soumission, soit des modèles de révolte. Mais quoi qu'il arrive, on est sans cesse dans cette souffrance où les choses ne correspondent pas à ce que l'on attend. Hein. Et à un moment, la prise de conscience que j'ai eue, c'est que si véritablement je veux sortir de ces modèles, eh bien, je dois avoir une approche du quotidien qui ne va pas justement se passer à travers ou à partir de ces modèles, c'est-à-dire la conscience de mes pensées, la conscience de mes sensations, de mes émotions, ce qu'on peut appeler la conscience personnelle, la conscience d'être une personne, hein, d'être un ado, d'être un enfant, la conscience d'être un corps, la conscience d'être un moi. Et donc, le chemin s'est montré différent tout à coup, puisque c'est un Québécois qui m'a permis justement de prendre conscience de tout ça, et merci Jean, ce soir. Merci Jean. De prendre conscience qu'aujourd'hui, ce qui peut véritablement nous aider à sortir de ces modèles connus, qui nous maintiennent dans la souffrance, où on se bat les uns les autres, regardez, les gens qui sont dans le développement personnel s'estiment plus malins que ceux qui sont dans le matérialisme. On n'en finit pas, on se bat, c'est sans cesse une guerre, en fait, intérieure et extérieure. Hein. Et donc, la prise de conscience, c'était, mais finalement, si je veux prendre quelque part un peu du détachement vis-à-vis de cela, eh bien, je ne dois surtout pas, en fait, aborder ces sujets dans le même espace de conscience que celui qui les a créés. Rappelez-vous Einstein. Hein. Et le seul espace de conscience que j'ai trouvé qui est silencieux, c'est celui de la conscience non locale, hein, qui n'est attaché à rien, qui est silencieux, qui est présent à tout, mais qui n'a pas d'avis sur la situation. Voilà, on voulait partager ça avec vous ce soir parce que c'est capital et ça va porter le programme de 6 mois, de partir de ce postulat que vous pouvez avoir des idées, des croyances, des valeurs surtout, des certitudes, mais ça va vous amener à un moment à regarder sans cesse les choses, les gens, les relations, en bien et en mal, c'est inévitable. Donc, si on arrivait, et c'est ce que témoignent ces gens-là à travers ces témoignages, quelques-uns parmi tant d'autres, hein, des centaines d'autres, des milliers d'autres, eh bien, c'est que petit à petit, si nous sommes capables de percevoir la réalité à travers cet espace qui n'a pas d'avis, qui est silencieux, qui est spatial, hein, qui est notre nature, eh bien, peut-être que nous n'avons plus besoin de modèles. Peut-être que la joie n'est plus conditionnée par ce que vont faire les autres ou par ce que l'on va faire. La tristesse n'est plus conditionnée par ce que vont faire les autres et ce que l'on va faire, que la joie peut se manifester d'elle-même, sans raison. Que la liberté peut se manifester d'elle-même, sans raison. Que le désir peut se manifester également de lui-même, sans raison. Que l'amour, on y arrive, hein, peut se manifester sans raison également et être sa propre nature, sa propre dépendance, sa propre création. C'est ce que nous avons constaté par la pratique récurrente du PIS, qui n'est pas juste une pratique le matin, mais qui est devenue un état d'être, si je puis dire, un vécu au quotidien, où les espaces dans lesquels vous êtes le matin, dans votre pratique, ou dans la journée, si vous pratiquez la journée, deviennent votre façon d'être. Hein, l'espace à partir duquel vous percevez les événements. On continue ? Ça s'infuse dans le quotidien. Voilà. Alors là, on ne va pas mettre en évidence, vous citer un peu, je dirais... finalement, ce que c'est vivre l'illimité concrètement, puisque vous avez vu à travers, je dirais, les témoignages de nos clients, mais aussi des praticiens de santé hein, que vous avez eu à l'écran. On ne va pas vous citer tous les éléments, mais Stéphanie peut vous en citer certains, oui. De voir ce que c'est vivre l'illimité au quotidien concrètement. Alors, Stéphanie, tu peux commencer. Nous libérer de nos attachements à nos perceptions vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, de nos relations intimes. Ce que nous croyons leur avoir fait, ce que nous croyons qu'ils nous ont fait. Voilà. C'est un bel exemple, ça. Nous libérer de nos attachements aussi à nos relations, hein. Toutes ces dépendances qu'on a vis-à-vis des relations, les dépendances affectives, mais aussi les dépendances qu'on a vis-à-vis du café, de la cigarette, de l'alcool, du jeu, du sexe, hein, ce qu'on appelle les dépendances toxiques, mais aussi se détacher, se libérer des dépendances alimentaires, je ne sais pas, le sucre, le gluten, etc. Et alors, toujours dans les attachements, nous libérer de l'attachement à l'image que l'on a de nous-mêmes ou des autres. Voilà. En plus ou en moins. Voilà. C'est ça. Voilà. Ce qu'on a constaté, c'est que vivre l'illimité, c'est aussi voir que les scènes qui continuent à se répéter ne nous affectent plus. Il n'y a plus d'attachement, justement, à ce qui se vit. On passe d'une dimension d'événement où on a un jugement, un avis, où on aime ou on n'aime pas, à une dimension où en fait on est juste témoin. On est essentiellement témoin de ce qui se passe. Bien au-delà de l'observateur en physique quantique qui a un avis sur la situation et qui va, selon la physique quantique, l'influencer. Eh bien, on peut influencer de manière exponentielle la réalité juste en sortant de cette idée que nous sommes le juge de ce qui est bon ou pas
et en revenant dans cet espace témoin où, en fait, on accède à une multitude de possibilités qui sont bien au-delà du juge qui juge en bien et en mal. Voilà. Et à partir du moment où on est dans cet espace-là, où on le vit et on le ressent dans notre quotidien, on a alors beaucoup plus d'empathie vis-à-vis de soi-même, bien sûr, mais vis-à-vis des autres, vis-à-vis de nos relations. Et on comprend mieux, en effet, à travers cet effet miroir de l'autre, là où on en est, et ce qui se révèle à nous, en fait, ce que l'autre nous apprend sur nous-mêmes. On n'attend plus rien de particulier de l'instant, puisqu'en fait, le désir se suffit à lui-même, il se génère lui-même, il est sa propre création, sa propre nature, et donc nous sommes plus à même d'accueillir l'instant tel qu'il est, avec les yeux de l'émerveillement, je dirais, de l'enfant. Hein, c'est la surprise, la fascination, l'émerveillement. Moi, je sais que quand je reçois des gens en consultation, eh bien, j'y vais comme un touriste. Hein, je dis souvent ça aux praticiens qui sont formés. J'arrive en consultation comme un touriste avec, je dirais, mon short, avec ma pina colada, comme dirait l'autre, avec, je dirais, ma casquette. Bon, je n'ai pas tout ça, mais c'est l'idée. Hein. Et puis, comme si j'arrivais justement dans un moment qui va être sympathique, parce que c'est la vie qui va décider ce qui va se passer pendant 2 heures. Et ça me fascine, parce que je ne sais pas ce qui va se passer dans la seconde qui suit. Mais je sens ce pétillement et cette fascination qui m'habite tout à coup, cet émerveillement face à ces êtres qui vont partager ma vie l'espace de 2 heures. Et alors, on se sent joyeux sans raison, on se sent amoureux sans raison, et cette joie se partage et se transmet, que ce soit dans nos rencontres, avec nos clients, avec tous ceux qui nous entourent. Voilà. Ce qui fait qu'on n'est pas libre d'être, mais l'instant est vécu comme libre d'être ce qu'il est. Vous voyez ce que veut dire la différence? On ne fait pas ce que l'on veut. Au contraire, l'instant qui se déroule est inévitable. Regardez, l'instant est inévitable, il se déroule. J'étais cet après-midi avec un client et je lui disais, mais en fait, ne faites plus rien. Arrêtez tout. Arrêtez d'agir. Ne bougez plus. La vie s'arrête? Non, elle ne s'arrête pas. Regardez intérieurement. Ça respire, ça digère. Le cœur bat, ça continue à vivre. À l'extérieur, regardez. La lumière est là, l'air aussi est là. Ça continue à vivre, il y a du mouvement, il y a des sons, etc. Hein? Même, on a un témoignage dans le cadre de la vidéo, même quand on ne fait plus rien, la vie continue. C'est extraordinaire, regardez. Hein? Voilà. Alors, on ne va pas tout citer tous les, je dirais, tous les attraits, là, on en a encore d'autres. Mais retenez cette idée que l'illimité, c'est vraiment cet élan de vie qu'on retrouve de l'enfant, en fait, qui s'abandonne à l'inconnu, qui ne sait rien de ce monde. Hein. Voilà. Et c'est à partir de cet espace que l'on vit les événements comme si c'était la première fois. Ça vous paraît peut-être du marketing, sans étiquette, mais c'est une vraie réalité, je vous assure. Hein. C'est comme si... nous, par exemple, on s'est connus il y a quoi, 3 ans et demi maintenant. On se redécouvre tous les jours, vraiment. Hein, on se redécouvre tous les jours, on redécouvre nos amis, on redécouvre nos relations, on redécouvre les êtres qui pratiquent le peace au quotidien et puis qui sont à notre image. On redécouvre en fait le monde comme un espace totalement nouveau avec le regard de ce nourrisson. On avance. Ah, vivre le limité, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe avant ou après? Alors avant, ben en fait, si vous regardez bien, la souffrance qui passe par la personne qui va se croire une personne et un corps, hein, eh bien, cette illimité, avant l'illimité, eh bien, l'instant qui est refusé, où la personne va naître plutôt, le corps vont naître véritablement, à partir du moment où on commence à refuser l'instant tel qu'il est. C'est le refus qui crée la souffrance. Hein. Ce n'est pas l'instant en lui-même. L'instant, en fait, lui, peu importe ce qui va se passer, je dirais, entre guillemets, il ne se préoccupe pas forcément de ce que l'on va, je dirais, penser, ressentir, même si l'instant qui suit va quand même en tenir compte. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la personne en nous, ces modèles qui sont connus en nous, hein, l'adolescent, l'enfant, l'adulte, etc., tous ces modèles qui croient détenir la vérité et qui jugent en bien et en mal, commencent à partir du moment où on commence à refuser l'instant tel qu'il est. Alors qu'après, tu veux peut-être en parler? Oui, après, en fait, de vivre dans l'illimité, en fait, c'est ce qui est écrit, c'est être en mesure de percevoir la sensation d'espace illimité dans chaque instant, en fait. Vous voyez, sur ce schéma où vous avez des instants de vie avant et après, ce sont les mêmes, sauf que intérieurement, ils sont vécus complètement différemment. Et l'instant peut être identique et vécu intérieurement de manière très différente et beaucoup plus
sereine, posée et sans jugement. Et les choses se déroulent ainsi. C'est spatial. Vous avez remarqué tout à l'heure, quand vous avez écouté ces êtres humains, c'était assez spatial dans leur témoignage. Oui. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il y avait quelque chose qui était serein. Il y avait une surprise. Un aussi. Étonnement. Il y avait un étonnement, un émerveillement. Ce regard de nourrisson était là. Il y avait quelque chose d'assez spatial, en fait. Il y avait quelque chose qui était plutôt dans une forme d'expansion. Hein. Ils avaient retrouvé leur véritable nature et ils percevaient, ils perçoivent, hein, je peux le dire encore aujourd'hui, oui. Ils continuent à percevoir leur réalité à partir de cet espace qui est leur conscience témoin et leur présence. On continue ? Donc on a envie de vous dire, mais finalement, avez-vous envie de revivre cet espace libre d'être du nourrisson, cet espace d'émerveillement de l'enfant ? Je ne sais pas, ressentez à l'intérieur, est-ce que ça vous touche ? Regardez le regard de cet enfant, regardez comment il regarde le monde. Il ne sait rien de ce monde, mais il sait tout de la vie. Hein, c'est extraordinaire. Alors finalement, la vie, ce serait quoi ? Le slide qui suit, peut-être ? Est-ce que ce ne serait pas, finalement, quand on regarde notre chemin, on passe du nourrisson à l'enfant, à l'adolescent, à l'adulte, et puis on peut être papa, maman, grand-parent ou pas, etc. Et si on regarde bien notre chemin spirituel, notre chemin, je dirais, propre à chacun, mais aussi spirituel, est-ce qu'on ne voit pas que finalement, ce n'est pas une évolution véritablement ? On ne grandit pas, on n'évolue pas, on ne change pas. Hein ? Ça, ce sont des désirs de la personne et de l'ego. Non, si on regarde bien les choses, la vie nous fait revenir systématiquement à l'origine, à cet espace du nourrisson. Regardez ce que vous êtes en train de vivre, peut-être. Regardez que votre regard est plus attendrissant. On voit ça chez les personnes âgées, hein ? Votre regard est plus doux, il est plus tendre. On voit que même chez les personnes âgées, très souvent, on revient à ce regard d'émerveillement qui va dans la nature et qui s'émerveille justement des fleurs, des plantes, je dirais des champs, des oiseaux, des couleurs, des odeurs, etc. Tout le chemin est un retour à l'origine. J'aime bien cette phrase du Christ, même si ça n'a rien de religieux, qui à un moment... lors du chemin de croix, on voit sa mère revenir vers lui, on voit ça dans le film de Mel Gibson, et sa mère l'aide à se relever et lui dit « Mère, regarde, je rends toute chose nouvelle. » Tout est dit, là. Hein. On voit que finalement, la vie nous amène à revenir systématiquement à l'origine, et si on regarde ce balai d'informations qui nous traverse dans notre champ de conscience, on voit que si on ne s'attache pas aux événements, eh bien, les événements reviennent comme des boucles, hein, mais on n'est plus affecté par ces événements, hein, jusqu'au moment où on ne les perçoit plus. On ne perçoit plus ces événements, puisqu'en fait, on n'en a plus besoin pour, percevoir d'où viennent ces événements qui sont véritablement cet espace du vide quantique, cet espace de présence qui est le nôtre. C'est l'amour, hein. Voilà. À partir du moment où on n'a plus nécessité d'aimer certains événements, eh bien ces événements sortent de notre vie. Et si nous nous détachons de ces événements, notamment à travers la pratique du PIS, eh bien on voit que c'est silencieux, c'est amoureux, c'est joyeux à l'intérieur. Ça n'a plus besoin de ces événements. C'est joyeux et amoureux sans raison. Hein. On continue. L'illimité est probablement ce retour permanent à l'origine. Alors, hein. Et comment se fait ce détachement alors vers l'illimité ? Eh bien, vas-y. Ça commence comment ? Alors, ça commence comment ? Ça commence par la répétition intérieure de mantras et à l'abandon à certains mantras qui nous reconnectent à cet espace témoin, sans avis sur la situation, et bien sûr via cette conscience non locale. Donc, vous l'avez déjà expérimenté dans l'atelier 1 et 2, en fait, les mantras se répètent intérieurement et on s'y abandonne. Les choses se font. Ensuite, une fois que vous êtes dans cet espace de conscience où cette conscience présente, cette conscience témoin s'abandonne aux événements plutôt que de s'y attacher, eh bien, se recrée l'espace entre les molécules d'eau. Hein ? Se recrée un espace qui va être un espace intermédiaire, ni trop crispé, ni trop dilaté, un espace silencieux et neutre, hein, par lequel, justement, eh bien, vos liquides, qui sont des portes, hein, l'espace entre les liquides sont des portes, est capable, ces portes sont capables de télécharger de manière optimale, eh bien, les informations du vide quantique dans sa dimension illimitée. C'est là que va se jouer l'illimité. Et petit à petit se passe, je dirais, une troisième étape que je laisse Stéphanie. Oui, l'événement, donc l'événement d'origine
peut être aimé ou pas, mais devient simplement un événement, un simple fait où nous ne sommes plus attachés à cet événement. Et que ça devient juste un fait. Voilà. Avant, c'était une expérience, vous aviez un avis dessus, et tout à coup, tout devient factuel. Vous n'êtes pas dans l'indifférence, vous êtes très présent à ce qui se passe. Vous ressentez beaucoup d'empathie, mais plus d'attachement à ce qui se passe. Hein. Vous n'êtes pas sans cœur, au contraire, vous aimez l'instant, vous aimez le fait en question. Hein. Et c'est ça qui fait toute la différence. Allez, on avance. Donc, ce qui est important peut-être de retenir, c'est qu'on peut percevoir l'illimité de l'instant, parce que c'est dans l'instant qu'en fait tout est illimité. On n'est pas, en fait, si vous voulez, dans ces concepts d'abondance où en fait on sent une abondance quand on a ce que l'on attend. Là, en fait, le fait de s'abandonner à chacun des instants qui vient et dans cet espace de conscience qui n'est qu'espace illimité, eh bien, on perçoit l'illimité de l'instant parce que dans l'instant, il ne manque rien. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à retrancher. Quand vous percevez l'instant à partir de la mémoire, vous le percevez avec uniquement, je dirais, un angle de perception, celui de votre histoire de vie. Mais si vous vous affranchissez, je dirais, de cette mémoire à travers cette conscience non locale qui se connecte à l'espace illimité du champ quantique, du vide quantique, eh bien vous percevez l'illimité dans l'instant. L'illimité peut prendre toutes les formes. On vous en a partagé déjà certaines tout à l'heure à travers les témoignages, mais aussi des retours de notre vie et puis de nos clients. On continue. Donc, prenez conscience peut-être qu'au quotidien, lorsque vous voyez des murs face à vous, dans votre quotidien, c'est-à-dire des relations qui ne se transforment pas, je dirais des blocages que vous pouvez avoir vous-même face à des relations, face à des comportements, face à des événements, que vous voyez que les situations se répètent et qu'elles s'amplifient, eh bien, prenez conscience peut-être que c'est dans vos liquides que les murs se sont créés. Vous êtes face à des murs, face à vous. C'est-à-dire que la mémoire est un mur qui vous empêche de voir au-delà du mur. Vous ne voyez que le mur. Ces murs sont des masses d'eau qui sont compactes dans les tissus, dans les fascias. Ces molécules sont très agglomérées. Elles vous donnent la sensation d'être un corps et d'en avoir la certitude, d'être une personne et d'en avoir la certitude, puisque vous vivez ça dans la tension. Et ces murs que vous percevez dans vos tissus et ces agglomérations, je dirais, de molécules d'eau, eh bien, ce sont des murs que vous allez voir dans votre quotidien, mais qui vont d'abord se manifester à travers votre mémoire dans le vide quantique. Et après se manifester dans votre quotidien. Donc retenez que si ça bouche face à vous, si vous n'êtes pas en mesure de voir les événements de votre vie autrement qu'à travers justement ce mur, c'est qu'au niveau des liquides dans votre corps, il y a des masses d'eau qui sont très compactes et qui ne veulent absolument pas retrouver l'espace entre elles, entre ces molécules, qui vous donneraient ce sas d'accès à une perception complètement, je dirais, nouvelle, totalement nouvelle et mystérieuse et inconnue, imprévisible, inattendue. Regardez les témoignages tout à l'heure face à l'événement. Face aujourd'hui aux pathologies, je pense au cancer, la sclérose en plaques, la dysbiose, je pense à la Parkinson, j'évoquais tout à l'heure, la fibromyalgie, qu'est-ce qu'on a d'autre ? La maladie de Lyme, l'asthme, l'hypertension, la dépression. Eh bien, en fait, on a une idée de ce qu'est la maladie et on a une idée de, je dirais, la possibilité de s'en sortir. Mais quand tout à coup, au bout de plusieurs semaines de pratique, notamment du PIS, eh bien, on commence à voir que l'horizon se dégage, que nos douleurs commencent à se dissoudre, que nos symptômes commencent à se dissoudre, eh bien, c'est la surprise, dans un premier temps, qui est, je dirais, présente. C'est l'émerveillement. On retrouve cet émerveillement de l'enfant. Allez, on y va. Ah, ça, j'aime beaucoup. Alors, je précise que c'est Stéphanie qui fait les illustrations et les slides. Elle est très douée, comme vous pouvez le voir. Donc, forcément, regardez comment elle vous le dit. J'ai des préférences. Avec, dans l'espace du nourrisson, regardez ces slides, le plaisir qu'elle prend à le faire, dans l'émerveillement, la fascination. Regardez où vous êtes, peut-être, ou regardez où nous sommes, parce que nous faisons partie aussi de cette humanité. Regardez, je dirais, l'infime partie de vos désirs aujourd'hui, ce que vous voulez. C'est le petit carré, là, bleu. Ce que vous imaginez pour votre vie. Voilà ce que vous imaginez pour votre vie aujourd'hui.
à travers votre mémoire. Votre mémoire d'enfant a engendré certains désirs pour la vie, c'est-à-dire surtout de ne pas revivre votre histoire de vie et d'attendre que le futur vous propose un avenir qui soit différent de votre passé. Voilà, c'est notre quotidien. C'est notre vie qui est dans sa limitation, dans son étroitesse, parce qu'elle ne doit surtout pas être à l'image de votre passé, de notre passé. Voilà ce que nous vivons au quotidien quand nous vivons dans cet espace de conscience quotidien, cette conscience personnelle, locale, hein, localisée aux neurones et aux tissus, où ce que nous voulons représente juste 0,001% de ce que nous pouvons vivre. Et regardez à côté. Alors, je dirais, on ne peut pas élargir l'écran, mais imaginez que ça se poursuit partout, c'est sans fin. C'est ça, les limiter. Voilà ce qui vous attend. Lorsque peut-être vous allez être capable à un moment de percevoir la réalité, sans doute à travers ce programme de 6 mois pour ceux qui veulent justement le vivre, de percevoir qu'en fait, vous avez prévu ça pour votre vie, en fonction de votre modèle du bien et du mal, de votre enfance, mais que la vie peut vous proposer cela, bien au-delà de tout ce que vous y attendez. Voilà. Hein. Donc l'illimité, c'est cela aussi. Allez, on avance parce que l'heure tourne. Mais ça ne va être possible, et ça on vous le répète parce que c'est capital, que si justement vous commencez à vous abandonner à ces espaces de conscience qui ne sont pas attachés à la réalité, c'est-à-dire ce que vous attendez ou ce que vous n'attendez pas de la réalité, c'est ça l'attachement. Hein. Je m'attache à la réalité, aux événements, et donc j'attends qu'ils soient soit comme je veux, soit comme qu'ils soient surtout pas comme je ne veux pas. Hein. Donc on voit que finalement, il y a des branchements à créer, et ça, les branchements se font à partir des liquides et à travers et à partir de la conscience. Hein. La conscience locale et personnelle, eh bien, nous plug et nous branche à ce qu'on vient de voir. Hein. Je dirais un avenir qu'on envisage qui est très étroit finalement, hein, qui manque d'inspiration, qui manque de créativité, qui est juste là pour réagir à notre passé, hein, qui essaye de guérir notre passé, alors qu'on peut vivre. Moi, je suis papa à l'âge de 50 ans. Aujourd'hui, on est suivi par des milliers de personnes hein, en l'espace de 3-4 ans. Ce n'est pas juste une marque de fabrique, c'est pour montrer qu'en fait, je n'aurais jamais imaginé il y a 13 ans vivre ce que je vis là face à vous dans cet instant. C'était Expert Conseil. Et là, aujourd'hui, on partage, je dirais, une approche de la vie qui est peut-être un peu dérangeante, un peu fascinante pour d'autres, etc. Mais jamais je n'aurais imaginé vous parler de physique quantique ce soir, de neurosciences, hein, surtout pas, et de la vie tout court. J'étais à des années-lumière de cela, et pourtant aujourd'hui c'est possible. Si j'étais resté dans cette conviction que je devais réussir ma vie en tant que consultant, je serais encore dans cette bulle. Mais à un moment, la vie m'a pris par la main et m'a donné une claque. C'est l'expérience, je dirais, d'état modifié de conscience que j'ai vécu il y a 13 ans et qui m'a incité à me dire, mais finalement, c'est quoi la réalité? À un moment de votre vie, peut-être que la vie vous prend par la main, vous donne une bonne gifle, une bonne claque et vous dit, mais regarde, en fait, tu vas droit dans le mur, les murs de tes liquides. On peut peut-être continuer. Donc, pour terminer cette présentation, Pierre va être content, on est à peu près dans les temps. c'est de se dire, mais finalement, est-ce que vous êtes prêt à ouvrir le robinet quantique aujourd'hui? C'est ça qu'on a envie de partager. Est-ce que vous êtes prêt à ouvrir ce robinet de la vie, ce robinet directement branché sur l'invisible, qui, lui, en fait, n'a aucune limite, il n'envisage aucune limite à votre vie. C'est juste notre mémoire, notre histoire qui envisage des limites. Hein. Est-ce que vous êtes prêt à laisser s'ouvrir ce robinet quantique de l'accès à l'illimité dans votre vie et vivre peut-être et partager peut-être ce qu'ont témoigné ces gens tout à l'heure, qui sont des êtres humains comme vous, comme nous, hein, et qui au quotidien se sont posé la question, mais finalement, d'où vient ma souffrance? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui la crée, hein? Et cette question est fondamentale, et à partir du moment où vous apportez des questions à cette souffrance, vous voyez qu'en fait, rien ne se crée dans cette vie au-delà de cette conscience témoin. Vos meilleurs moments, comme vos pires moments, se crée à partir de cet espace d'origine. Et si tout se crée à partir de cet espace d'origine, eh bien tout peut, je dirais, évoluer aussi à partir de cet espace d'origine. Et c'est ça qui est absolument saisissant. Est-ce que vous êtes prêt à vous connecter à votre génie illimité? Ce génie illimité qui n'est qu'une expression du génie illimité de notre grand sage qui est cet espace de vie quantique. Cet immense champ de conscience
Marc-Henri, le professeur Marc-Henri, parle d'une immense conscience. Je partage cet avis. Hein. Une conscience qui crée tout, qui crée l'air, qui crée la lumière, qui crée les êtres humains, qui crée le sol, qui crée la nature, etc., qui est à l'origine de tout. Stéphanie est conscience. Je suis conscience. Vous êtes conscience. Cette illustration est conscience. Pierre est conscience. Hein. L'air est conscience autour de nous. Hein. Donc, on voit que rien n'est autre chose que cette conscience qui émane, je dirais, de cette présence, information, énergie, conscience et lumière. Hein. Est-ce que vous êtes prêts, hein, peut-être, ce soir, à vous connecter à ce génie illimité de la vie qui, lui, en fait, n'a aucune idée de vos notions du bien et du mal. Aucune. Il ne connaît pas ses limites. Hein. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne sais pas si vous aurez une réponse, mais je laisse la parole à Pierre pour la suite. Merci Stéphane et Stéphanie pour cette très très belle rencontre. On a déjà plusieurs questions qui nous sont arrivées dans le chat. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on prenne quelques minutes si vous voulez nous présenter le programme pour ceux évidemment qui désirent continuer, aller plus loin. Donc, si vous voulez prendre quelques minutes et par la suite, restez avec nous. Évidemment, on répond à vos questions. On poursuit? Oui. Et on y va. Alors, allez, vas-y Stéphanie. Pourquoi le programme est-il unique et exclusif? Alors, tout simplement, la première raison, c'est que ce programme intègre des nouvelles sciences, comme vous avez pu le constater, la physique quantique des photons, la physique quantique et les neurosciences des fascias, les neurosciences des nerfs vagues, la physique quantique de l'eau et des liquides corporels, dont on parle beaucoup, la physique quantique de la conscience. Voilà, donc on est véritablement dans des sciences complètement avant-gardistes qui bousculent tous les modèles que l'on connaît aujourd'hui. Donc, c'est un programme qui est complètement focalisé sur la nouveauté. Hein. L'idée, ce n'est pas de répéter sans cesse les mêmes croyances, les mêmes valeurs, les mêmes certitudes aujourd'hui sur la façon d'être, la façon d'évoluer, de changer, de se transformer, mais c'est vraiment d'apporter uniquement de la nouveauté. Donc, ce programme, il est uniquement basé sur de la nouveauté en matière, je dirais, de science sur des domaines qui sont quasiment inconnus du monde du bien-être, et puis, je dirais, des gens, tout chacun, tous les jours. Hein. Ce qui fait que ce programme est unique et exclusif, c'est que tous les sujets aujourd'hui peuvent être traités par le PIS et le YOPIS. Hein. L'YOPIS, c'est le yoga que propose Stéphanie à travers ses pratiques corporelles. Hein. Vous avez Siri qui est très content que je parle du YOPIS, il est en train d'intervenir. Donc aujourd'hui, peu importe d'où ils viennent, hein, vos douleurs, vos symptômes, on vous a parlé de plusieurs pathologies tout à l'heure, mais sur toutes les problématiques de peur, de phobie, d'addiction, des problématiques de gestion du temps, de gestion de l'argent, de gestion de la sexualité, qu'est-ce qu'on a d'autre, les problématiques relationnelles forcément. Les relationnelles, les peurs, tu les as citées déjà. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, si vous voulez, à partir du moment où vous vous œuvrez et vous vivez à partir de cet espace qui est illimité, hein, que vous sentez dans votre champ de conscience, il n'y a aucun sujet aujourd'hui qui peut être un frein véritablement à cette pratique. Donc, les pratiques aujourd'hui, eh bien, sont capables. Je dis bien sont capables. Ça ne veut pas dire ce qui va se passer. Soyons clairs. Mais ces pratiques que vous pratiquez au quotidien sont capables de traiter tous les sujets aujourd'hui que vous pouvez amener. Pourquoi ? Parce qu'on travaille et on œuvre, on vit à partir d'un espace qui est limité avec une pratique quotidienne que l'on vit dans la journée. Hein, ce n'est pas juste dans la pratique le matin. Troisièmement, il est unique et exclusif parce qu'effectivement, ce n'est pas une technique supplémentaire qu'on vous propose de thérapie personnelle, mais c'est vraiment un retournement en fait, un changement de paradigme au lieu de toujours être à l'extérieur, c'est vraiment de se retourner et d'être à l'intérieur de nous et de voir un petit peu ce qui se passe et de voir toutes nos pensées, nos émotions, nos sensations se libérer au fur et à mesure de la pratique.
En fait, si vous voulez, aujourd'hui, l'ensemble des thérapies personnelles, qui sont très aidantes, évidemment, ça va de soi. Hein, on a besoin de toutes les approches thérapeutiques aujourd'hui. Moi, c'est ma conviction. Hein. Là où on en est, on a besoin de tout aujourd'hui. Parce que tout ce qui est là est utile. Hein. Mais aujourd'hui, eh bien, il y a des mouvements, comme celui qu'on vous propose, des mouvements de vie, qui proposent un changement de paradigme qui est vraiment capital, qui est finalement, si on veut aborder les événements de notre vie, si on les aborde dans le même espace de conscience qui les a créés, hein, comme disait Einstein, eh bien finalement, on répète les mêmes schémas. Ce matin, j'avais un praticien de santé qui suit un de mes programmes, notamment un autre programme, eh bien, qui me disait, j'observe mes pensées tous les jours. Et je lui dis, mais tu perds ton temps, à quoi ça sert? Ben, elle me dit, ça me sert à avancer. Il me dit, par moment, je me rends compte que je ne dois pas avoir telle ou telle pensée. Mais je dis, mais c'est encore une pensée. Tu ne vas jamais t'en sortir ainsi. Hein, la pensée n'a jamais transformé la pensée. Donc les pensées, les émotions, les sensations ne peuvent pas se libérer entre elles. Hein. C'est vraiment un changement de paradigme, de passer, je dirais, d'approches personnelles qui œuvrent uniquement dans ces espaces à des approches qui sont impersonnelles, qui œuvre à partir de l'espace illimité du vide quantique, qui, lui, n'est pas limité par les pensées, les sensations, les émotions. Hein. Et c'est vraiment regarder la réalité avec un tout nouveau regard, des lunettes qui ne sont pas dépendantes de nos pensées, de nos sensations, de nos émotions. Voilà. C'est un vrai changement de paradigme aujourd'hui. On avance ? Alors, dans ce programme de 6 mois, eh bien, on vous propose 6 thèmes, si vous voyez bien l'écran. Hein. Le détail, on ne vous le donnera pas aujourd'hui. Je pense que Conversation Papillon, Pierre et puis Annie vont vous donner beaucoup d'informations sur le contenu, je dirais, de ce programme de manière plus détaillée. On aura sûrement une séance de questions-réponses aussi dans quelques temps pour répondre à vos questions. Mais globalement, vous voyez à l'écran les 6 thèmes qui sont aujourd'hui, qui seront les plus traités. Vous ne serez pas étonné des thèmes, puisqu'on vous en a déjà parlé, hein, sur les liquides corporels. Vous savez que ce programme est très, très orienté physique, quantique et neurosciences, mais aussi spiritualité. Hein. Tous ces thèmes sont traités dans une dimension spirituelle en partant du scientifique. Ça, c'est capital pour nous. Hein. La science n'est pas une vérité. Marc-Henri lui-même dit « la science n'est pas une vérité ». C'est juste un point de vue de l'instant. Hein. Donc là, ce qu'on vous donne à travers ce programme, c'est un point de vue de l'instant, mais qui donne, je dirais, un regard sur la vie, le mode de fonctionnement qu'on a vis-à-vis de l'intérieur, mais aussi notre interaction avec, je dirais, les forces de la nature, les forces de la création, et puis, je dirais, les forces qui sont autour de nous, hein, les gens que l'on côtoie, eh bien, qui est totalement l'état de la science du moment. Très avant-gardiste, on ne vous le cache pas, puisqu'en fait, ce que l'on vous propose aujourd'hui, c'est un état de la science qui n'est pas du tout partagé dans les grands médias. Hein. Pourquoi ? Parce que ça remet en question tellement, je dirais, aujourd'hui, les modèles dominants. Et bien, on a besoin de tout. On a besoin de gens qui croient au modèle dominant et d'autres qui sont plus avant-gardistes, plus pionniers, qui ont envie peut-être de faire un pas supplémentaire. On a besoin de tout. Hein. On vous parlera aussi des nervas et de notre santé. Vous avez compris qu'en fait, les nervas, c'est vraiment essentiel aujourd'hui pour comprendre que le corps pilote la tête. Et vous verrez pourquoi à travers certaines vidéos. On vous parlera aussi de la plasticité neuro-émotionnelle de nos 4 cerveaux, le ventre, la tête, le corps, la tête et le cœur. Hein. Et de voir un petit peu comment cette plasticité neuro-émotionnelle, eh bien, on peut l'exploiter aujourd'hui. On en verra les atouts, mais aussi les limites. Hein. Donc, on passera du temps aussi là-dessus. Les fascias, parce que c'est vraiment une science complètement émergente, qui est quasiment inconnue, les fascias sont le siège de la sensorialité aujourd'hui à travers les 3 systèmes nerveux qui les parcourent. Et les fascias sont parcourus à la fois par du collagène et de l'eau. Les fascias, c'est l'immense réseau Internet dont on est constitué. Toutes ces enveloppes qui entourent tous nos organes, nos muscles. Aujourd'hui, cette sonde faciale est complètement inconnue. Elle est plus connue des ostéopathes, mais elle est très peu connue aujourd'hui du monde du bien-être. On vous parlera du cœur, parce que regardez, le cœur, il est au milieu de ce programme, forcément, parce que dans cet espace illimité, le cœur est sa propre, je dirais, nature, sa propre dépendance. Il est autosuffisant, hein. Eh bien, le cœur sera au centre aussi, je dirais, de ces vidéos qu'on va proposer, 24 vidéos à travers ces 6 thèmes. Des vidéos thématiques, et le cœur est aujourd'hui, alors je ne parle pas forcément du cœur physique, hein, vous avez compris, je parle du cœur plutôt quantique, dans sa dimension quantique, le cœur est l'espace qui est le plus à même de vous connecter à l'illimité du champ. Hein. Et puis, vous aurez, je dirais, matière, énormément de thèmes, si ça vous passionne aujourd'hui,
eh bien, à découvrir tout ce qui tourne autour de la physique très avant-gardiste aujourd'hui de ces 20 dernières années. Je ne vous parle pas de la physique, je dirais, depuis 110 ans maintenant, même un peu plus, hein, presque 120 ans. Je vous parle vraiment de cette physique très récente qui vient des États-Unis, qui vient d'Asie, qui vient de Russie, et qui nous propose un regard totalement novateur aujourd'hui sur la vie, sur notre santé corporelle et émotionnelle. Et ça, c'est 6 mois de programme avec 24 vidéos thématiques, une toutes les semaines, en général d'à peu près plus d'une heure. Enfin, je ne vais pas aller trop dans le détail, mais on voit un peu l'envergure du programme. On avance peut-être. Alors là, voilà, on va pas tout citer non plus. On va pas tout citer non plus, hein, mais Conversation Papillon pourra aussi vous donner peut-être plus d'infos sur les images qui apparaissent à l'écran. Mais je dirais que toutes les vidéos sont là pour être, je dirais, une entrée en matière pour vivre l'expérience derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de la connaissance sur ce qui est en train de se passer, que vous êtes conscient, je dirais, peut-être plus avec votre tête et votre corps sur ce qui est en train de se passer, bah, il y a une forme d'assurance intérieure, il y a une sécurité, forme de sécurité intérieure. Hein. Mmh. On a besoin de cela pour rentrer dans l'expérience. Eh bien, les 24 vidéos thématiques seront toujours des tremplins pour vivre l'expérience derrière, cette expérience du quantique illimité. Hein. Donc, en général, sur les 24 vidéos, eh bien, on vous le dit un peu plus loin, je crois qu'on peut peut-être passer dessus, je ne sais pas si c'est derrière, sur ces 24 vidéos, voilà, c'est ça. Sur ces 24 vidéos, eh bien, à la fin de 16 vidéos sur 24, vous aurez une pratique qui met en œuvre, qui orchestre et qui met en image, mais aussi en expérience, ce que vous venez d'entendre, qui va déjà être un peu un vertige, on ne va pas vous le cacher. Hein. Parce que l'idée, ce n'est pas de vous dire juste ce qui vous arrange, c'est justement de partager une façon de voir le monde radicalement peut-être différente de ce que vous avez eu l'occasion d'entendre et qui va sortir de votre modèle, de votre mémoire pour la plupart. Hein. Et si vous êtes capable de l'expérimenter juste derrière, eh bien, vous allez devenir ce que vous venez d'entendre dans ces vidéos thématiques. Vous allez vivre l'expérience. Pour les autres thèmes où on n'a pas ces vidéos, alors Stéphanie peut vous en parler. Oui, vous aurez directement des vidéos pratiques. À part, en fait, qui seront hors les vidéos thématiques. Donc, vous aurez 12 vidéos pratiques où vous aurez un PIS à chaque fois. Ou un PIS. Voilà. Alors, vous en aurez certaines qui sont préenregistrées et puis d'autres sur des thèmes très précis, hein, les frustrations, l'impuissance, les addictions, etc. Et puis, sur la sexualité aussi. Et puis d'autres, je dirais, en direct, avec des ateliers chaque mois où on pourra être avec vous, parce que ça nous tient à cœur, être avec vous. Hein. Être avec vous et partager votre expérience, partager vos questionnements, partager vos questions. Donc, on sera dans une immersion permanente dans l'univers invisible de l'illimité à travers ces vidéos thématiques, hein, 24 vidéos et 12 vidéos pratiques qui vont vous tenir en haleine pendant 6 mois. Alors, je pense qu'on a autre chose après. Voilà. Donc, aujourd'hui, et je pense qu'on clôture par là, retenez cette idée que un changement radical peut se faire dans votre vie, à la fois par une pratique où vous êtes autonome au quotidien. Vous aviez Flore tout à l'heure qui témoignait dans cette vidéo de témoignage, qui témoignait sur le fait qu'en fait, vous êtes autonome dans votre pratique. Vous ne dépendez pas d'un thérapeute, vous ne dépendez pas d'un praticien de santé. Vous êtes autonome dans votre pratique, vous pouvez faire le matin ou pas, hein, ou dans la journée, mais vous prenez les sujets qui vous ennuient au quotidien et vous laissez, je dirais, votre conscience s'en détacher tous les jours. Hein, vos peurs, vos phobies, vos addictions, vos problèmes de santé, etc., vos douleurs, hein, je ne vais pas tout citer parce qu'il y en a tellement. Donc, au quotidien, ce n'est pas juste une expérience que vous allez vivre le matin, vous allez vivre aussi cet espace de détachement dans vos réunions de travail peut-être, dans vos relations avec vos enfants, avec vos parents, avec vos compagnons, compagnes, avec vos amis, avec vos collègues. Hein. Et en quelques instants, via des formules codées, hein, qui sont des mantras très simples, finalement, vous avez pu les expérimenter, eh bien, vous allez pouvoir vous libérer et vous détacher, enfin, ou en tout cas, laisser, c'est plus ça, en fait, laisser se détacher les événements qui sont venus se coller, si je puis dire, à votre conscience.
Donc, le PIS, ce n'est pas juste une expérience de pratique le matin, c'est un vécu au quotidien. Voilà, c'est ça qu'on voulait vous dire. Et c'est ce que vous allez vivre, ce qu'on vous propose de vivre pendant au moins 6 mois. Et une fois que vous aurez peut-être avalé la pilule, si je peux dire ça comme ça, hein, eh bien, vous verrez que, certains ont témoigné tout à l'heure, les gens continuent à pratiquer parce que ça fait partie de leur hygiène au quotidien. Voilà ce qu'on voulait partager avec vous sur le programme. Merci Stéphane et Stéphanie. Très intéressant. Encore une fois, comme vous devez vous en douter, beaucoup, beaucoup de questions, mais aussi beaucoup de magnifiques témoignages dans le chat. J'en suis le premier surpris. Je vais commencer par quelques questions et je vous lirai quelques témoignages aussi par la suite, si vous le permettez. Avant d'aller plus loin, nous allons placer un lien sous la vidéo pour tous ceux et celles qui souhaitent en savoir davantage sur le programme de formation que vous nous proposez et d'apprentissage qui débute dans quelques jours. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton qui devrait apparaître sous la vidéo et vous trouverez toutes les informations nécessaires pour votre inscription si évidemment vous souhaitez aller plus loin. On poursuit maintenant avec les questions, car elles sont très, très nombreuses. La première de José. Bonjour Stéphane et Stéphanie. Si j'ai bien compris, les protocoles et mantras déjouent les mécanismes de défense stockés dans l'inconscient. Est-ce que c'est bien cela? Oui, tout à fait. Alors, l'inconscient, en fait, c'est une façon de représenter un petit peu, je dirais, les bulles, c'est-à-dire la mémoire qui nous entoure. Aujourd'hui, on a deux façons de se connecter à cette mémoire dans nos champs, soit par l'amygdale cérébelleuse où on se connecte à l'entièreté de la mémoire, à la fois, je dirais plutôt inconsciente, hein, comme en témoigne la question. Et puis, vous avez l'hippocampe, hein, qui est une autre structure, c'est une petite boule, justement. L'hippocampe, pardon, c'est la cédille, l'amygdale cérébelleuse, c'est au bout. Cette cédille, un peu comme un C, cette hippocampe qui est au centre de votre cerveau limbique. Eh bien, cette hippocampe, elle, se connecte à la mémoire consciente. Donc ça, c'est juste des structures neurologiques. Et elles font comme l'eau, hein, parce qu'elles sont constituées de neurones et d'eau aussi, eh bien, elles se connectent à la mémoire. Donc effectivement, eh bien, dans notre quotidien, à travers cette pratique, on prend des événements qui peuvent être, qu'on choisit, qui sont des événements conscients, mais aussi on travaille avec des événements dont on n'a pas conscience. On laisse venir des scènes, on laisse venir des images, et donc on travaille aussi à partir de l'inconscient. On laisse venir des images de notre passé par rapport à des thèmes précis, l'impuissance, la frustration, la peur, etc. On laisse venir des images spontanées. Et c'est beaucoup plus riche au terme d'expérience. Hein. On vous fera vivre ça aussi dans le cadre des ateliers. Donc oui, tout à fait. Merci. Prochaine question de Anne, qui aimerait savoir si ces méditations Peace relèvent de l'énergétique. Ah ! On va mettre ça dans une boîte. En fait, ça, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose de mettre les choses dans des boîtes. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on essaye de les mettre dans des modèles. Ça, c'est le corps et le mental sont habitués à faire cela. C'est comme ça, que voulez-vous? On est fait comme ça, on ne peut pas non plus se renier. Mais j'ai envie de dire, je ne sais plus que son prénom. Anne. Anne, pardon. Pourquoi c'est si important de mettre ça dans une boîte, dans un tiroir, hein? Aujourd'hui, si tu veux, Anne, l'énergétique, si tu mets ça dans l'énergétique, est-ce que ça va te rassurer peut-être? Ou je ne sais pas ce qu'il y a derrière, est-ce qu'il y a un besoin d'être rassuré? L'énergétique, en fait, en soi, c'est des soins souvent qui sont donnés soit à travers les yeux, soit à travers l'être, soit à travers les mains, etc. Là, on va tout faire à partir de la conscience. Ce qui est important de prendre conscience et de le dire, c'est que tout ce qui existe ne peut pas exister sans la conscience. Hein. L'outil énergétique et quantique le plus abouti de la création, c'est la conscience. Parce que rien n'existe sans la conscience. Ça veut dire que les soins énergétiques existent parce que la conscience, quelque part, en est consciente et les a créés, hein, si je puis dire. Et donc, on pourrait dire, oui, quelque part, on fait de l'énergétique à notre façon, si vous voulez. Mais si tu te branches peut-être à ce qui se situe au-dessus de ce qui crée tout ça, tu vas voir que, je dis ça à un de mes camarades qui travaille en biorésonance, hein, je lui dis souvent, mais en fait, le meilleur appareil de thérapie quantique qui existe au monde, c'est la conscience, elle sait tout faire. Elle n'est limitée par rien. Elle n'est pas limitée par des circuits, des boulons, de l'électronique, etc., par des programmes. Elle sait tout faire. Voilà. Donc, l'énergétique est intéressant, forcément. On conseille souvent nos clients, justement, d'en faire. Mais nous, on se situe dans l'espace qui crée tout ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Donc, je dirais, c'est un peu encore en amont. Voilà. Donc, ça se met dans aucune boîte parce que c'est difficile à définir. Voilà.
Alors, prochaine question de Christelle. Bonsoir et grand merci pour ce beau partage. Les exercices pratiques resteront-ils disponibles après cet atelier? Alors oui, Christelle, les replays des trois ateliers resteront accessibles jusqu'à la fin de la semaine et je vous invite d'ailleurs à les revoir car vous pourrez faire ou refaire les deux exercices pistes qui ont été présentés. Surveillez bien vos courriels car c'est ainsi que nous partageons les liens pour retrouver les replays facilement. Question de Michel maintenant. Pouvez-vous nous rappeler ce qu'est la conscience locale et non locale? Oui, bien sûr. Alors, Michel, moi, je t'invite à regarder aussi l'atelier numéro 2, le replay, parce que tu vas avoir beaucoup plus d'informations. La conscience locale, en fait, elle est, localisée à travers la conscience du corps et elle est localisée à travers la conscience des neurones. C'est-à-dire qu'en fait, si on pouvait l'imager, on dirait que la conscience locale, elle est limitée par l'envergure de nos champs autour de nous qui stockent la mémoire. Alors, suivant les appareils de mesure, Marc-Henri dit que c'est aux alentours de 3-4 mètres autour de nous, mais il y a des études qui vont jusqu'à 6 mètres. Hein. Donc, on pourrait dire que cette conscience locale, elle est, je dirais, limitée à quelques mètres autour de nous, hein, à travers des champs électromagnétiques et des champs quantiques, mais elle est surtout, localisée à travers nos sensations, qui sont des expressions neurologiques, hein, à travers nos émotions et nos pensées, qui sont aussi des expressions neurologiques. Donc, c'est une conscience qui est limitée dans l'espace à ce que vivent nos sensations, à ce que vivent nos corps, à ce que vivent nos émotions et nos pensées. Donc, c'est une conscience qui est limitée, si je puis dire, ou localisée au corps et aux neurones. La conscience non locale, elle n'est limitée par rien. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne dépend de rien. C'est elle qui est à l'origine des sensations, des émotions, des pensées, mais c'est elle aussi qui est à l'origine de la conscience que je viens de vous évoquer. Elle est à l'origine de tout. C'est une conscience qui s'affranchit des champs autour de nous et qui est capable de se connecter à l'illimité au-delà de notre mémoire. C'est une conscience qui est capable de percevoir de l'information à des milliers de kilomètres. Là, ça a été utilisé, comme je vous le disais, dans un atelier par, je dirais, les États-Unis à l'époque, et à l'époque c'était l'URSS, qui est devenue la Russie. C'était utilisé par des médiums pour de l'espionnage. On espionnait à distance, à travers des médiums, justement, des bateaux, des armes militaires qui étaient créées de chaque côté, etc. Et donc, cette conscience non locale, elle est, utilisée par des physiciens, elle a été utilisée dans le cadre de ses travaux, et aussi par la CIA et le KGB. Donc cette conscience non locale n'est pas limitée par la mémoire de nos champs, elle est au-delà de nos champs, elle s'affranchit des limites du champ et dans la mémoire qui nous entoure, on est dans des frontières de sensations d'espace qui sont très limitées. Si on se connecte à ce que l'on a vécu tout enfant, alors évidemment il y a des bons moments aussi, on ne peut pas dire qu'il y a eu juste des mauvais moments, mais on voit que dans cet espace, on dépend de quelque chose, on dépend. Dans la joie, on dépend des interactions qu'on a avec les parents. Et dans des moments de colère, on dépend aussi de l'environnement pour ressentir la colère. Donc, on voit bien que ce sont des attachements. On dépend de quelque chose, de l'environnement extérieur, d'une attitude de soi-même, justement, dans ces espaces de mémoire. C'est une conscience qui est limitée à ces dépendances, émotionnelles, sensorielles, liées à notre mémoire. Alors que la conscience qui est au-delà de ces champs, qui est non locale, elle ne dépend de rien. En fait, elle est totalement autonome. Elle est silencieuse, paisible, elle est témoin de tout, et elle est sans avis sur la situation. C'est la conscience à l'origine de la vie. Francine, justement, me dit, est-ce à dire que de boire de l'eau énergisée est peu efficace? Alors, on ne peut pas dire ça, non, pas du tout. Par exemple, j'ai eu des questions par mail, ça m'a fait sourire parce que forcément, ça fait partie du jeu. Mais non, on ne peut pas dire que de l'eau énergisée est peu efficace. Si, par exemple, vous avez une très bonne hygiène émotionnelle, avec le PIS, par exemple, mais que vous buvez de l'eau, du robinet, qui en général est quand même assez polluée, ça dépend où vous vivez. Si vous vivez en montagne, elle l'est beaucoup moins. Mais je dirais, dans les grandes villes, elle est souvent, ce n'est pas une vérité absolue, évidemment, elle est souvent assez polluée par différentes choses. Ça va créer en fait dans les flux aqueux, dans les flux des mouvements liquidiens, ça va créer justement du parasitage, comme de boire de l'eau minérale aussi. Si elle est trop minéralisée, ça crée des électrolytes. Donc on ne peut pas dire en fait, si vous voulez, que l'eau que l'on boit n'a pas de sens dans sa qualité. Ce n'est pas vrai. Mais par contre, dans l'autre sens, de dire que
parce qu'on boit de l'eau de qualité, eh bien, on va changer fondamentalement notre vie. Je mettrai des bémols quand même, beaucoup. Hein, parce que si l'eau que vous buvez, qui est de très grande qualité, elle arrive dans un espace, dans des structures qui sont absolument décohérentes et qui ne sont plus cristallines, eh bien, elle va prendre, elle va épouser la structure de vos liquides dans votre corps. Donc, vous voyez, ce n'est pas aussi blanc-noir, aussi simple que ça. Retenez que l'eau que vous buvez est importante, mais fondamentalement, elle va aussi dépendre de l'eau que vous êtes. Et ça, c'est capital. Caroline qui se demande, elle dit, si je comprends bien, votre programme travaille sur toutes les facettes de l'être et pas seulement sur la santé? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Bah, en fait, au bout de 13 ans de pratique thérapeutique, on commence à connaître un petit peu, en toute humilité évidemment, parce qu'on ne connaît rien de l'être humain. Hein. On connaît juste l'idée qu'on s'en fait, hein, on est d'accord. Mais on commence à connaître un peu les mots MAUX, de l'espèce humaine. Et donc, on a essayé de proposer un programme ambitieux, avec ce que l'on connaît, avec ce que nous sommes, hein, un programme qui propose de passer un petit peu partout, voilà, comme on le propose à travers l'accompagnement que l'on vit avec d'autres groupes, dans le cadre de séminaires par exemple. Là, on vous le propose de le vivre en ligne, de le vivre chez vous, tranquillement, sans avoir à vous déplacer, avec des pratiques qui sont simples à pratiquer, vraiment, hein, on ne vous cache pas, qui sont, efficaces. Alors, efficaces, évidemment, on ne va pas vous dire que ça ne l'est pas, mais en tout cas, qui sont opérationnelles, efficaces, et qui, quelque part, peuvent vous libérer en quelques minutes. C'est ça, véritablement, aussi, la force du PIS et du YOPIS aujourd'hui. Hein. YOPIS, le yoga inspiré du PIS. Donc, le PIS, c'est le YOPIS. Le PIS, c'est une pratique qui est assise, on l'a vu dernièrement, et qui se fait dans un espace de conscience très précis qui est la conscience non locale. Le YOPIS se pratique aussi en conscience non locale, voilà. et vous avez des mouvements, des postures qui sont prolongées et qui se déroulent au gré d'un accompagnement vocal. Donc c'est un PIS en mouvement, toujours dans cette conscience délocalisée. Voilà, donc c'est un PIS qui est matinée de yoga, si je puis dire ça. Hein, c'est un yoga, oui, c'est inspiré du PIS. Oui, c'est un PIS qui est vécu dans des postures qui sont prolongées. Et moi, je suis un fan, je ne vous cache pas. J'adore ce que propose Stéphanie, je suis un fan total. Donc, quand on est enseignante, j'adore faire mon yopis avec elle. Et je ne dis pas ça parce qu'on est juste là avec vous ce soir. C'est vraiment quelque chose qui m'anime et qui me touche vraiment. Et donc, pour compléter, Caroline, pour répondre à ta question, effectivement, on traite à la fois toutes les symptômes, on va dire, émotionnels que l'on peut vivre dans notre quotidien, mais aussi des problématiques de santé. Oui, corporelle. Hein. C'est ce qu'on vous a évoqué tout à l'heure. Alors, on ne peut pas tout vous citer parce qu'il y a tellement de cas de figure, oui, c'est vaste. Je vais en citer certaines où on a eu des résolutions, assez étonnantes et fascinantes par rapport à l'état un petit peu du bien-être et de la thérapie aujourd'hui, même s'il se passe des choses extraordinaires aujourd'hui dans le milieu du bien-être. Hein. Bien sûr. Mais on vous évoquait les cancers tout à l'heure, la sclérose en plaques, Parkinson, qu'est-ce qu'on a, la fibromyalgie, Lyme, qu'est-ce qu'on a d'autre, l'asthme, l'hypertension. Tension, la dysbiose, le diabète, je vais en oublier, le syndrome de Raynaud, l'ataxie cérébelleuse, tous les problèmes d'un peu neurologiques sous différentes formes, l'arthrose, l'arthrite, je vais forcément en oublier ce soir, oui. Les bouffées de chaleur, des cicatrices qui disparaissent, etc. On a des choses de fou, hein, qui arrivent aux êtres qui pratiquent au quotidien. Et nous, en fait, on vit ça avec beaucoup d'émotions, on ne vous le cache pas, parce que même si souvent on pourrait dire c'est un miracle, mais en fait c'est lié quand même quelque chose, ça s'est pas fait comme ça par l'opération du Saint-Esprit, c'est que quelque part vous êtes assis à un moment et vous êtes occupé de vous, et qu'à partir du moment où on le fait à partir de certains espaces de conscience, la vie renaît en nous, c'est extraordinaire, on se reconnecte à cette vie illimitée qui est notre nature. C'est-à-dire que vous pouvez ne pas travailler directement sur la pathologie et voir pour autant une pathologie diminuer. Voilà. Exactement. Tout à fait. En travaillant sur son histoire de vie. Jacqueline qui nous dit ceci, le sujet est l'eau quantique. Vous nous dites qu'on travaille l'eau quantique, mais sans jamais la citer dans les exercices. Il me semble que l'on ne parle que d'espace. Comment est-ce possible? Pouvez-vous préciser, expliquer quel est le lien entre l'eau quantique et les exercices à pratiquer concrètement, Stéphanie? Alors,
Oui, bien sûr, tout à fait. En fait, ce qui se passe, ce n'est pas l'eau en elle-même qui est importante. C'est l'espace entre l'eau. Entre les molécules. Voilà. C'est comme, par exemple, les notes de musique. Hein. Je ne sais pas si vous êtes musicien. Toi, tu l'as été une époque, je crois, quand tu étais plus jeune. Les musiciens vous diraient, mais ce n'est pas les notes qui sont importantes. C'est l'espace entre les notes. Hein. C'est là que se fait la différence. La musique se joue dans l'espace entre les notes. Et si on prend certains autres travaux, notamment ceux sur le cœur quantique, hein, les battements de cœur, notamment à travers la cohérence cardiaque, on s'est rendu compte que l'espace entre les battements de cœur, eh bien, c'est ce qui va exprimer le message du cœur. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. Ce n'est pas le battement de cœur qui est important, mais c'est l'espace entre les deux. On voit que tout se vit dans l'espace. L'information, la fréquence naît de l'espace disponible entre les molécules d'eau. Ce n'est pas la molécule d'eau qui est importante, mais c'est les segments. Hein, je dirais, c'est les segments, la longueur des segments des liaisons hydrogènes qui créent l'espace entre molécules d'eau, et c'est là que se crée la vie. Hein. Et ça, ça se passe notamment dans nos espaces de conscience, c'est ce qu'on a partagé dans le cadre des trois ateliers. 10 puissance 44 fois par seconde, vous imaginez, c'est des milliards de milliards de milliards, je ne pourrais même pas vous les citer, ça ne rentrerait pas dans le schéma à peine. Hein. Si on avait mis un slide avec autant de zéros, mais vous verriez le nombre de zéros, c'est absolument complètement dingue. Hein. Et on voit que finalement, 10 puissance 44 fois par seconde, eh bien, notre conscience de l'instant rebascule dans l'espace, puis revient dans la matière. Espace, matière, espace, matière. Pourquoi ? Parce que il est probable, c'est ma façon de présenter les choses, que pour ne jamais oublier notre nature, eh bien, la vie, 10 puissance 44 fois par seconde, nous invite à y retourner, à dire, mais n'oublie pas ce que tu es. Et puis, quand on revient dans la matière, on l'oublie. Mais imaginez qu'au quotidien, par une pratique, vous soyez justement capable de vous connecter à ces 10 puissance 44 fois par seconde et y rester. Est-ce que votre vie pourrait changer ? Peut-être. Expérimenter si vous avez envie de le vivre, sans les témoignages que vous avez écoutés tout à l'heure. Voilà. Donc, c'était ma réponse. Merci. Alors, on va passer à la question suivante de Fatima, qui te demande, Stéphane, elle dit, j'ai suivi ta formation avec BioSanté Parcours E. Est-ce que cette formation est différente ou similaire, Stéphane? Ah oui, 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 c'est très différent parce que le programme avec Biorésonance travaille plus, je dirais, avec BioSanté, j'ai dit. Oui, BioSanté. C'est BioSanté, pardon. Avec BioSanté. Oui, oui, il est très différent. Alors déjà, il est complètement nouveau puisqu'en fait, on est sur les dernières versions de PIS, hein. À l'époque, on travaillait plutôt en neurosensoriel dans le cadre du programme avec BioSanté, hein, qu'on a tourné il y a à peu près 2 ans et demi, je crois, à peu près, hein, 2 ans et demi, 3 ans. Oui, 3 ans maintenant, pas loin. Et donc, les versions de PIS ont tellement évolué depuis 3 ans que là, en fait, ce que l'on a proposé à Conversation Papillon, c'est un programme totalement en phase avec ce que l'on est aujourd'hui et avec les pratiques de PIS qui sont complètement nouvelles et qui partent de l'espace quantique. À l'époque, on travaillait à partir des sensations directement. Maintenant, on travaille à partir de cette conscience non locale quantique qui sait tout faire. La conscience sensorielle sait faire des choses extraordinaires, mais elle est encore limitée par le fait que, justement, ces sensations sont dans certaines fréquences, alors que dans la conscience non locale, on accède à toutes les fréquences, hein, à toutes les possibilités et toutes les solutions. Donc, oui, c'est un programme qui est différent. Alors déjà, il dure moins longtemps. Et puis, on travaille sur certains sujets, mais on ne travaille plus du tout de la même façon. Donc, tout a un intérêt. À l'époque, il y a des gens qui continuent à pratiquer les pratiques qu'on propose chez BioSanté et on a besoin de tout. Hein. Mais aujourd'hui, on a proposé à Conversation Papillon un programme qui est complètement, je dirais, branché sur quelque chose qu'on n'a jamais proposé aujourd'hui aux gens, qui est complètement nouveau. Voilà. Mais qu'est-ce qui fait que le pays s'évolue de cette façon-là si rapidement, Stéphane? Ah, c'est un secret. C'est la pratique. C'est la pratique qui engendre des nouveaux pistes. T'imagines, c'est la pratique qui enchante des nouveaux pistes qui viennent comme ça. Ça vient tout seul, ça télécharge tous les jours à travers le bit quantique illimité. On reçoit régulièrement des nouvelles versions et bien on vous les fait partager. Puis voilà. OK. Comme les mises à jour sur Apple ou des choses comme ça. Exactement. Mises à jour système. Oui, intéressant. Harmonie qui demande, qui dit ceci, votre approche résonne beaucoup avec la pratique de la méditation la plus profonde et authentique ainsi que les enseignements millénaires sur la conscience. Quelle différence en faites-vous? Ben moi, je ne connais pas ça, donc c'est intéressant. Mais aujourd'hui, on a des pratiques de méditation qui sont intéressantes. Je ne sais pas si on nous voit encore. Oui? Oui. Oui, c'est bon.
Ok, parce que je vois que ça mouline un peu. Aujourd'hui, on a des pratiques de méditation, mais un peu particulières. Hein. C'est-à-dire, on a des pratiques de méditation où le méditant est dans un état de conscience très particulier, où il n'est pas une personne et il ne se connecte sur rien de particulier. Il est connecté dans un espace plutôt, je dirais, mystérieux. Hein. Ok. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, le PIS n'est pas une méditation en soi, parce que le PIS travaille à partir de scènes réelles, c'est-à-dire des choses que vous avez vécues. Hein. Une méditation, en général, on la pratique directement sur quelque chose qui est focalisé, la respiration, un point du corps, quelque chose qui, quelque part, je ne sais pas, ça peut être un arbre, ça peut être de l'air, ça peut être de la lumière, etc. Là, en fait, on a besoin, pour pratiquer le PIS, eh bien, de prendre une scène, de prendre une sensation en amont, et puis de la laisser petit à petit par les mantras se détacher. Donc, le PIS n'est pas une méditation. Mais on propose, dans le cadre du programme, une ou deux méditations qui permettent de vivre cette méditation où, en fait, on est dans l'espace témoin. Donc, on va, via cette méditation, s'habituer, se familiariser avec cet espace de la présence qui nous permet d'accéder à l'illimité. Donc ça, c'est le premier travail qu'on va vous proposer. Et puis Stéphanie va prendre le relais après avec ses yopis qui vont beaucoup vous aider dans la pratique corporelle. Et puis dans les ateliers, on évoquera des sujets au quotidien qui vous sont, je dirais, très familiers, hein, le relationnel, les peurs, les phobies, les addictions, etc., les symptômes, les douleurs. Et donc, tous les jours, vous aurez du grain à moudre, si je puis dire, parce que à chaque fois que vous sentirez que vous refusez quelque chose, eh bien, hop, 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 un petit coup de mantra et vous passez à autre chose. Voilà, Pierre. Merci. Il y a Nadie qui demande, est-ce que les nerfs vagues sont des méridiens? Alors, les nerfs vagues ne sont pas des méridiens, mais par contre, les trajets des fascias, a priori, correspondent aux trajets des méridiens. Ça, ce sont les dernières études qui datent de ces 5 dernières années. Vous allez voir Hélène Langevin, si vous voulez, sur le sujet, hein, qui est une chercheuse américaine. Vous pouvez aller voir Tom Myers aussi. Vous pouvez aller voir James Oshman, qui restitue ses travaux et qui met en évidence qu'a priori, les trajets des méridiens correspondent aux trajets des fascias. Donc, les enveloppes, les membranes qui entourent nos muscles, qui entourent, je dirais, nos organes. Nos articulations, etc., etc. Il y en a partout dans le corps. Hein, c'est ce qu'on appelle des membranes. Donc oui, il y a sûrement un lien, mais pas avec les nerfs vagues, par contre. Christiane qui demande si vous pouvez expliquer ce qu'est la conscience personnelle. Ah, ben, on va revenir, on va boucler là-dessus. La conscience personnelle, c'est celle qui croit qu'on est une personne. C'est-à-dire qu'on croit qu'on est une personne quand on a la sensation que le corps est une réalité à 100%, alors qu'il n'occupe que 0,001% de notre réalité. Hein. On croit qu'on est uniquement un corps, une personne. Donc la conscience personnelle, c'est celle qui est à la fois, je dirais, sensorielle, émotionnelle et cognitive. Et c'est une conscience qui est très limitée puisqu'elle n'est reliée qu'à du connu. Elle n'est reliée qu'à notre mémoire. Donc elle cherche à chaque fois, hein, comme tout à l'heure, la question qu'on a eue où on devait mettre le PIS dans une boîte qui était l'énergétique, par exemple. Hein. On essaye pour se rassurer, et ça, on fait tout ça, c'est humain, hein. On essaye à travers le mental, les sensations, les émotions, de capter les informations et de les mettre dans des boîtes qui sont connues. Ce qui fait que ça rassure. Hein. Ce qui fait que finalement, on reste toujours dans le même modèle. Rappelez-vous, on vous a parlé de modèle tout à l'heure. Là, ce qu'on vous propose, c'est complètement d'abolir ces frontières du connu et de passer d'une conscience personnelle, donc sensorielle, émotionnelle et mentale, à une conscience impersonnelle, qui n'est pas du tout reliée à la personne, au corps, et une conscience qui s'affranchit de ces barrières que sont celles de la mémoire et du connu. Voilà. Donc une conscience personnelle, c'est la conscience de la personne, et la personne naît quand elle ressent des sensations, des émotions et des pensées, à partir du moment où elle refuse l'instant. Une sensation, une émotion, une pensée, c'est un moment où on refuse l'instant qui est en train de se jouer. Voilà. Merci pour la précision. Maintenant, 3 questions, commentaires que je réunis car elles sont toutes en lien avec l'âge. Alors, premièrement, il y a Marie-France qui demande combien de temps faut-il pratiquer par jour? Elle précise qu'elle a 72 ans. Ah, Gouillard écrit « Programme super, même le Yopis, car cela vous permet de sortir de vos souffrances et d'accéder à la vie. J'ai 70 ans. » Et enfin, Mireille, qui est praticienne PIS, qui a répondu dans le chat qu'elle reçoit des gens de tout âge avec les processus PIS
et que sa dernière cliente avait 80 ans. Donc, l'âge n'est donc pas important. Tout le monde peut rejoindre le programme et se mettre à la pratique, peu importe son âge. Oui, bien sûr, parce que en fait, on se rend compte avec l'âge, je l'avais déjà évoqué la dernière fois, que le corps vieillit parce qu'il manque d'eau. Hein. C'est-à-dire qu'on perd de l'eau, donc on est de moins en moins à même d'absorber de la lumière, hein, les fameux photons, qui vont donner la vie à nos organes, à nos muscles, etc. Et donc, si on est capable, à nouveau, de recréer cet espace entre les molécules d'eau, bien l'âge a beaucoup moins de prise sur nous. C'est ça qui est extraordinaire. On retrouve de l'élasticité dans les liquides, on retrouve de l'élasticité dans les tissus. Et donc, les problématiques, on a bon nombre de personnes qui sont dans ces tranches d'âge aujourd'hui. Notamment le programme qu'évoquait tout à l'heure Biosanté, c'est des personnes qui sont dans ces tranches d'âge et qui manifestent, qui témoignent, je dirais, des changements radicaux par rapport à l'arthrose, l'arthrite, les problématiques, je dirais, de douleur avec l'âge qui se résorbent par la pratique au quotidien. Alors, combien de temps? En fait, il n'y a pas de temps précis. C'est non, juste. On peut dire la durée d'un protocole. Alors, la durée d'un protocole, effectivement, la durée d'un protocole, c'est entre 25, alors ça dépend, 22, 25. Parfois, une méditation, ça peut être 30 minutes, mais c'est jamais au-delà de 25-30 minutes. Hein. Et pour le Yopis, en fait, les pratiques durent une heure, mais à chaque fois, je propose aux personnes de pratiquer, celles qui ne sont pas en capacité de pratiquer assises, de pouvoir pratiquer sur une chaise et de suivre les indications en étant sur sa chaise. Il n'y a aucun problème. On n'est pas du tout dans des postures, on va dire, extraordinaires. Voilà. Et inconfortables. Voilà. OK. Il y a Kuka qui demande, est-ce que la pratique Peace aide contre la dépression? Je sais que vous en avez parlé un peu il y a quelques temps. Oui, tout à fait, parce que la dépression, c'est une question qui boucle dans le cerveau limbique et qui n'a pas de réponse. Du style, ça pourrait être, est-ce que j'ai été aimé par papa-maman? Ça, c'est une question qui revient régulièrement, hein, qu'on peut se poser de manière inconsciente. Donc, on avait vu ça dans les travaux de David Servan-Schreiber, il y a quelques années, avant qu'il décède, hein, qui mettait en évidence qu'effectivement, il y a une boucle qui se crée au niveau de l'information dans le limbique et qui n'arrive pas à se relier au préfrontal, qui est le cerveau qui nous permet justement de sortir de la question et de trouver des réponses, parce qu'il n'y a pas suffisamment de connexion entre les deux, notamment à travers des neurones pyramidaux. Et donc, on sait aujourd'hui que la dépression, effectivement, oui, on la traite, ça fait partie des problématiques qui se traitent. Alors, je ne peux pas dire facilement, parce que ça ne veut rien dire, mais ça se traite bien, hein, justement, en regardant les questions. Voilà. Et puis, en voyant qu'en fait, la question, peut-être, ne se justifie pas. Et qu'à partir du moment où on s'abandonne à la réponse à la question et on s'abandonne à la question par rapport à la réponse, eh bien, vous allez voir qu'en fait, quelque part, la dépression commence déjà à régresser. Bon, ce ne sera peut-être pas forcément suffisant. Il y aura d'autres façons d'évoquer le sujet, mais ça fait partie, je dirais, des sujets qu'on traite assez régulièrement. Hein, comme les burn-out, par exemple. Voilà. Les prises de poids aussi, hein, Stéphanie, souvent a suivi des gens qui sont en surpoids ou même avec de l'obésité, hein, parfois morbide. Parfois l'obésité morbide, voilà. Oui. Et qui régressent, je veux dire, je ne sais pas, 20, 30 kilos. 40 kilos. Jusqu'à 40 kilos, donc... On voit effectivement que même ces problématiques de poids sont des sujets qui sont traités, simplement parce que dans les liquides, qui sont plus en mouvement, hein, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'espace entre les molécules, les liquides sont stagnants et les déchets, les toxines stagnent. Donc, c'est là que les prises de poids se font. Intéressant. Joël qui se demande, sera-t-il possible de télécharger les méditations en mode MP3 si j'adopte le programme pour suivre la formation qui suit ces trois ateliers? Effectivement, oui, Joël, lorsque vous rejoignez le programme d'accompagnement, vous recevrez tous les fichiers audio pour faciliter votre pratique régulière. Il y a Maggie qui nous partage, c'est dit, magnifique, j'attends de voir les offres proposées. Mais Maggie, vous trouverez toutes les informations concernant l'offre en cliquant sur le bouton sous la vidéo. Vous trouverez d'ailleurs sur cette page de présentation tous les vidéos témoignages des personnes que vous avez entendues plus tôt. Et je vous invite grandement à aller les écouter. Vous dites aussi que les séminaires vous plaisent, mais que vous habitez en France et que vous pouvez vous déplacer. Ben, bonne nouvelle pour vous, Maggie. Tout le programme se fait via Internet, comme Stéphane vous l'a précisé un peu plus tôt. Donc, il y a besoin de se déplacer, n'est-ce pas? Exactement. Le programme en ligne. Voilà. On s'habitue, on s'adapte au Covid et puis on s'adapte aussi à la modernité. Hein. C'est aussi confortable de rester chez soi et d'écouter, je dirais,
des guidages par la voix qui nous permettent chaque matin de passer à autre chose. Et puis on se rencontre. De vivre notre vie. Puis voilà. Et en même temps, on est en direct, on sera avec vous chaque mois. On répondra à vos questions. Ça, c'est important pour nous d'être en contact avec vous. Effectivement. Donc, comme je l'ai dit, Maggie, sous la vidéo, vous avez le bouton pour avoir plus d'informations. Alors, on est rendu à la question d'Alina qui dit ceci, la thérapie au diapason est-elle bénéfique et utile? Vu votre lien avec la médecine quantique, pourriez-vous me donner votre avis? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question, Alina? Alors, moi, je vais être complètement en cash avec ça. Pour moi, toutes les thérapies ont un sens. Hein. Si elles existent, c'est qu'elles sont utiles. Ça, c'est la question qu'on a eue encore en formation il y a quelques temps. On nous demandait notre avis. Ça, je réponds toujours de la même façon. C'est que pour moi, tout est utile et on a besoin de tout ce qui est proposé par la vie parce qu'elles apportent, ça apporte quelque chose. Hein. Je ne connais pas la thérapie de diapason. J'ai eu l'occasion, il y a quelques années, de découvrir ma médiumnité grâce à du diapason. Un truc de fou, hein. Grâce juste à, je dirais, une médium qui était là le soir à l'entrée d'une conférence et qui m'a proposé justement un petit moment au diapason. Et là, j'ai eu un flash. C'est un des premiers flashs que j'ai eu de ma vie. C'était à peu près il y a 10 ans maintenant, où je me suis dit, mais c'est pas forcément ma perception habituelle. Il y a quelque chose comme s'il y avait une voix qui me parlait intérieurement. Vous voyez, c'était un peu étrange, comme s'il y avait une double voix, une voix qui venait pas de moi. Je sais pas si vous êtes déjà arrivé. Hein, voilà. Alors, la thérapie de diapason, de toute façon, à partir du moment où vous êtes dans des mécaniques de résonance et que le diapason vibre, il vibre sur certaines fréquences qui va permettre, sans doute, d'aller communiquer avec les fréquences de l'espace entre les molécules d'eau. Ce qui peut aider, probablement, j'imagine bien, à ce que les molécules recréent l'espace entre elles et recréent des fréquences naturelles à travers cet espace. Alors, si vous avez bien compris, ce n'est pas l'eau qui est importante, c'est l'espace entre les molécules d'eau. Donc, si les diapasons, par les ondes et les fréquences qu'ils émettent, sont capables de se mettre en résonance justement avec justement l'espace qui existe entre ces molécules, eh bien, ils sont capables de le dilater et recréer des fréquences naturelles de vie par rapport aux organes. Donc, c'est sûrement très intéressant, j'imagine bien. Merci pour la précision. Alors, on passe à la question de Karine qui nous dit ceci. Lorsqu'on ne perçoit plus les événements difficiles comme difficiles, qu'est-ce qui se passe concrètement au niveau de leur disparition? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est léger. C'est déjà très léger, on peut c'est en sourire. Très léger, oui. C'est très léger, on en sourit, et parfois on se dit, mais pourquoi je ressentais les choses comme cela? Il y a un oubli qui peut se faire. Hein. Je ne sais pas si on vous a relaté ça, je ne me souviens plus trop dans le cadre des ateliers, mais on a une petite anecdote qui nous a fait sourire quand on était en Suisse. On était face à peu près 80 personnes qui étaient en train de pratiquer le PIS dans une salle polyvalente. Et puis, à la fin, on demande un témoignage, comme on le fait assez régulièrement. Et on a deux jeunes qui se proposent, hein, des jeunes de à peu près 25 ans, 22-25 ans. Donc, ils étaient assez enthousiastes. Ils avaient envie de partager et tout. C'était sur l'instant, quoi. C'était à chaud, comme dirait l'autre. Et puis, le garçon prend la parole, le premier, il dit « Ah, c'était vraiment chouette et tout. » Et puis là, comme je viens de travailler sur quoi d'ailleurs ? Il avait déjà oublié. L'événement a été décollé. Mais le lien avec la mémoire de l'événement, c'était dissous totalement. Et la jeune fille derrière qui a essayé de décrire son expérience, pareil, à un moment, elle est incapable de faire un lien avec ce qui venait de se passer. Donc, ce qui se passe très, très souvent, c'est que si vous essayez de parler de ce qui s'est passé le matin, ça va vous demander de l'effort de retrouver, je dirais, les événements, les scènes, les images sur lesquelles vous avez travaillé. C'est absolument fascinant. Hein. Ce n'est pas la mémoire qui se transforme, c'est le lien avec la mémoire, c'est l'attachement à la mémoire qui se transforme. Ce qu'on appelle la colle, c'est-à-dire que, comme dit Marc Henry, le professeur Marc Henry, il nous dit, mais en fait, la colle du corps, c'est le liquide. Hein, c'est ce qui crée effectivement à chaque fois que les molécules d'eau se rapprochent et qu'elles s'attachent les unes les autres, on s'attache aux événements, on s'attache à la mémoire. Donc c'est un lien d'accès à la mémoire. Mais imaginez qu'en fait ces molécules, elles se séparent, en tout cas elles s'espacent. Et bien, le lien avec la mémoire se dissout dans la foulée, c'est aussi bête que ça. Donc la mémoire ne change pas, elle est toujours une empreinte dans le champ, mais on n'accède plus à la mémoire parce qu'on n'en a plus besoin a priori. Voilà. Merci.
Sylvie nous dit ceci. Je pratique le massage et j'ai beaucoup de patients avec des maladies graves. Pensez-vous que je pourrais utiliser votre méthode PEACE dans mon travail? Merci pour ces merveilleuses infos. Si vous le permettez, si je me souviens bien d'ailleurs, je crois que Flore, qui est massothérapeute, elle en témoigne de sa pratique dans la vidéo que nous avons partagée. Moi aussi, j'ai des petits problèmes avec Siri, Stéphane. Vraiment, Siri est très intrusif aujourd'hui. Non, Siri, elle apprécie beaucoup le pays. je crois effectivement que Flore est massothérapeute, elle témoigne de sa pratique dans la vidéo que nous avons partagée sur la base de présentation. Est-ce possible? Est-ce que ma mémoire est bonne? Non, tout à fait. Tu es dans le vrai, effectivement. En fait, si tu veux, nous, on a différents corps de métiers qui viennent aujourd'hui suivre les pratiques et en même temps se former en tant que praticien. On a des ostéos, des kinés, des chiros, on a aussi des massos, hein, tous les métiers un peu manuels, si du pratique masso, manuelle. Naturaux. Alors, là, je n'évoque pas tout, évidemment. Je parlais des pratiques manuelles, essentiellement. Mais en fait, ce qui est important, ce n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes quand vous pratiquez. Et ce qui est intéressant dans la pratique du PEACE, c'est qu'en fait, on perçoit les événements à partir de certains espaces de conscience. Et on le fait de plus en plus à mesure que les événements se détachent de notre vie. On est dans un espace qui est de plus en plus silencieux. Et imagine que dans ta pratique de massothérapeute, tu sois capable de masser, je dirais, ton client, à partir d'un espace qui est très détaché des événements de ta vie. Donc en fait, les photons que tu vas émettre de tes champs, ce sont des photons qui vont déjà donner des solutions, je dirais, à ton massage et qui vont être captés par les champs, je dirais, de ton client ou de ta cliente. C'est-à-dire qu'on est sans cesse dans un bain de photons qui échangent de mémoire, mais si tes photons évoquent quelque chose qui est silencieux, paisible et amoureux et joyeux, eh bien, le massage ne va plus du tout prendre la même dimension. Donc, on voit que on peut utiliser l'approche PEACE à travers les mantras, on peut se les répéter intérieurement en même temps qu'on est en train de masser, et en même temps, on peut proposer à notre client d'en répéter intérieurement un ou deux. Ce qui fait que, tout à coup, il y a une interaction qui se fait, et ça vaut pour tous les métiers manuels aujourd'hui. Et là, on est en train de laisser les tissus se détendre, se relâcher dans une plasticité, une élasticité maximale. Et alors, le massage, c'est du pain béni. Voilà, c'est un peu vous pouvez sentir le changement sous les doigts. Ah ben, les liquides changent aussitôt, donc c'est extraordinaire comme expérience. Alors, je vous invite d'ailleurs à aller écouter les témoignages longs que nous avons publiés sur la page de présentation du programme, car certaines personnes justement témoignent de l'utilisation de la méthode dans leur pratique professionnelle. Alors, question d'Océane maintenant qui demande, ce programme peut-il dissoudre des traumas lourds? Je me reconnais dans ce que vous dites sur le figement du nerf vague postérieur car je suis épuisé depuis plus de 25 ans suite à un événement traumatique. Oui, bien sûr. Ben, c'est notre quotidien, Océane. C'est notre quotidien. Nous, on reçoit des gens qui, tous les jours, ont vécu des traumatismes importants, des abus sexuels, des viols, des incestes, ou des déménagements, des opérations chirurgicales, des divorces, des séparations. Ça peut être des accidents aussi, etc. Donc, des chocs très, très lourds, des traumatismes très lourds. On en reçoit tous les jours, les gens. Hein, on les aide, justement, à sortir de ces événements. Alors, je veux pas avoir l'air de délivrer un message qui est marketing, mais on vous assure qu'en une séance, déjà, vous allez voir une différence qui est majeure, juste en pratiquant une fois le PEACE sur un événement. Alors, tu auras peut-être besoin de le faire une deuxième fois, hein, c'est possible, mais déjà, rien qu'en une seule fois, tu vas voir une différence qui est déjà majeure par rapport à l'événement traumatique. Nous, on vit ça tous les jours, c'est notre quotidien. Hein. Léa qui se demande comment vivre l'amour sans attachement. Est-ce vraiment possible, Stéphanie? Regardez. Là. Alors, on va vous faire une petite confidence. On évoquait ça hier soir dans une interview qu'on a donnée avec Allez-y. Qu'on connaît, où en fait, qui a participé à un certain nombre de parcours, mais en présentiel, cette fois en France. Et elle me disait, mais en fait, elle me dit, mais ce qui m'a fasciné en vous, dans votre couple, c'est que vous nous disiez en fait de travailler sur le scénario de séparation du couple.
Elle me dit, mais ça m'a un peu interpellé au début, c'est un peu étrange quand même comme façon de fonctionner. Elle dit, oui, en fait, au quotidien, régulièrement, nous, on travaille sur le scénario de séparation qui peut intervenir à un moment de notre vie parce que, par définition, à un moment, la mort, de toute façon, va nous séparer, je dirais au plus loin, si je peux dire. Hein. Et on s'est rendu compte qu'en travaillant sur ces scénarios de séparation, eh bien, on crée de l'oxygène, l'espace. De l'espace, non pas de la distance, de l'espace dans la relation. Ça respire. On n'est pas dans une attente de quelque chose de l'autre. L'autre dans passe un... quelque chose ah, pour nous prouver parce qu'il nous aime ou quoi que ce soit. Mais plus du tout, on est dedans. Et plus on pratique cela, plus on sent qu'en fait, eh bien, on se détache des attentes qu'on a face à la relation. C'est ça qui est extraordinaire. Et puis arrive un instant, et ça on peut vous le dire parce que c'est du vécu, où dans la pratique des protocoles, on voit que l'amour est sa propre création. L'amour est son propre but, qu'il s'autosuffit à lui-même. Et on voit ça dans les mécaniques, par exemple, d'ondes scalaires. Je ne sais pas si vous intéresse, les chanteurs rideaux qu'on voit qui tournent autour du cœur. On voit que finalement, quand ces ondes scalaires ne sont pas stoppées par des attachements à la réalité, eh bien, on voit que l'amour se suffit à lui-même en permanence. C'est comme un trou noir, ça tourne, et ça revient à son origine en permanence. L'amour se suffit à lui-même. On n'est plus du tout dans la même relation après. Est-ce que je veux dire hein? Chacun des instants qui se présentent est accueilli comme tel. On est dans une grande empathie par rapport à ce que l'autre exprime parce qu'on sait que c'est un miroir de ce que l'on vit. Hein, donc, du coup, voilà, donc on fait silence, forcément. On n'est pas en train de se reprocher des choses et d'attendre des choses. Et c'est vrai que de travailler sur ces mécaniques, comme on l'a évoqué hier soir, où on travaille sur des scénarios de séparation, ben, ça met beaucoup, beaucoup en fait, d'espace dans la relation. Ça respire, c'est extraordinaire. Donc oui, on en est une incarnation. Merveilleux. Catherine qui demande est-ce qu'on garde le programme à vue pour une durée déterminée. Alors Catherine, je vous rassure tout de suite, vous avez un accès à vie à tout le contenu sur Académie Papillon. Alors Diane ou Dan, je ne sais pas si le nom est bien écrit, est-on habilité après ou même pendant la formation à utiliser les protocoles de façon complémentaire à notre propre pratique d'accompagnement? Pour Dan, c'est un accompagnement de pleine présence à l'instant et l'espace de conscience illimité en soi. Qu'est-ce que vous pourriez répondre là-dessus? Oui, bien sûr. En fait, on est habitué à ces questions parce que les praticiens de santé qui se forment au PIS, hein, on a même des médecins hein, actuellement, on a des psychologues, on a des coachs, etc. On a tous les corps de métier. On a de plus en plus de médecins qui font appel justement à nos services, hein, même dans les hôpitaux. Et on voit que ben, les techniques en fait se conjuguent. Il suffit un peu de créativité. Alors, soit on arrive à les mêler et créer quelque chose de combiné, soit bah, par exemple l'hypnose se conjugue et se combine très très bien avec le PIS par exemple. Hein. Sauf que tu ne seras pas praticienne PIS à l'issue de ces 6 mois de formation, de ces 6 mois de parcours. Par contre, tu vas travailler sur la préparation éventuellement à un jour si tu as envie. De devenir praticienne. Là, ton principal outil va se construire à travers la pratique du PIS. Et ça, ça va fondamentalement changer ta pratique de praticien de santé ou de thérapeute. Hein. Alors, je sais que thérapeute, ça ne se dit pas au Québec, mais en Europe, ce sont des termes qui sont… Oui, on utilise le mot thérapeute. On utilise quand même? Oui, quand même, tout à fait. D'ailleurs, on va rester dans le même registre. Il y a Bérangère qui demande en quoi le PIS peut m'aider dans mon rôle de thérapeute. Ben, on vient un peu de répondre un peu. Hein. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que comme on est dans des espaces de conscience qui sont très particuliers, qui sont à la fois, je dirais, qu'on découvre et en même temps qui sont familiers, parce que ça nous rappelle ce qu'on vivait quand on était tout jeune, hein, à peu près jusqu'à l'âge d'un an et demi, 2 ans, eh bien, en fait, ce n'est pas vraiment une découverte en soi. C'est juste qu'on a oublié. On a oublié comment vivre dans ces espaces. Et donc, ces espaces, ils vont faire partie de nous. Et on va véritablement les vivre au quotidien, à la fois dans notre quotidien personnel, mais aussi dans notre pratique thérapeutique. Mais ça ne s'arrête pas juste aux 30 minutes de protocole. Ça se diffuse tout au long de la journée. Dans la journée, tu es dans cet espace. Donc, c'est-à-dire, dans ta pratique thérapeutique, tu vas totalement en profiter. C'est ça qui est extraordinaire. Effectivement. Christina qui nous dit ceci, ce serait bien de proposer un règlement mensuel pour pouvoir accéder à cette formation exceptionnelle. Merci. Eh bien, c'est possible, Christina. D'ailleurs, je vous invite à consulter la page de présentation du programme car c'est là que vous trouverez les possibilités de paiement et les différentes devises. Acceptez aussi autour de Muriel qui nous dit « Si j'ai bien compris, vous dites que l'eau du corps se dilate quand on est en pleine conscience et que de ce fait, plus de photons peuvent être absorbés par l'eau
Je n'ai trouvé cette information dans aucun document scientifique. Sur quoi ou quel document est basée cette assertion? Alors, en fait, ça, c'est une conjonction, une combinaison de différentes études. D'un côté, les études de Martin Chapin, mais ce qui serait bien, c'est que j'ai raté son prénom, excuse-moi. Ton prénom. Muriel, pardon, excuse-moi. Alors, les prénoms, je ne sais pas, je les retiens pas. Vous pouvez aller savoir pourquoi, j'en sais rien, c'est comme ça. Donc, Muriel. En fait, c'est une combinaison de certains travaux, les travaux de Gérald Pollack qui nous parle justement de l'eau, le quatrième état de l'eau qui absorbe de la lumière en permanence et qui alimente les organes et tout ce qui est vivant, c'est ce qu'on appelle l'eau quantique et l'eau ordonnée. Donc, on t'invite vraiment à regarder les ateliers précédents parce que tu vas avoir toutes les réponses à tes questions. De l'autre côté, on a les travaux de Martin Chapelain, qui est le biologiste, qui nous dit qu'en fait, ce qui est important au niveau des molécules d'eau et qui crée le métabolisme de santé naturelle, ce n'est pas la molécule, c'est l'espace entre les molécules. Hein, donc, ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, les travaux de, comment il s'appelle, Michael Persinger, hein, qui mettent en évidence dans les années 2010-2015 que la conscience, justement, dialogue avec l'extérieur à travers des photons. Donc, on voit que la conscience, dans différents états de conscience, eh bien, on a une émanation de photons qui est différente. Et comme l'eau dialogue avec l'extérieur, avec des photons, on voit que l'eau dialogue, et les liquides corporels dialoguent avec la conscience à travers les photons. Mais ce n'est pas suffisant. Les liquides dialoguent avec le vide quantique où tout est possible, tout est illimité, aussi à travers la lumière, à travers les photons. Ça, ce sont les travaux de Gérald Pollack. Alors, donc... si ça t'intéresse, tu regardes un petit peu, je dirais, les ateliers précédents et tu vas voir qu'on définit tout, on partage tout, donc tu auras accès à l'entièreté de l'information. Là, ce que je vous partage, ce que je partage dans mon ouvrage qui s'appelle « L'eau et la conscience quantique », quand je l'ai écrit, j'avais 12 pages de références scientifiques. Je ne sais pas si vous imaginez, hein, c'est un travail de recherche qui est énorme et qui est venu conforter, je dirais, notre travail clinique et nos constats cliniques au quotidien. Il y a Julie qui se demande, avec la formation, peut-on par la suite travailler sur des cas qui n'ont pas été traités durant la formation ou le programme que vous proposez? Oui, bien sûr. J'ai peut-être mal compris la question. Julie, oui. Une fois que tu as le programme et si les sujets ne correspondent pas exactement à ta problématique, tu as les enregistrements et les audios pour travailler sur ta problématique à toi. Il n'y a aucun... Au contraire, on vous invite à pratiquer chaque jour. Mais oui, c'est ça. La force des pistes qu'on va proposer, notamment en atelier en direct, c'est que, notamment pour les sujets relationnels, tu vas voir que tu vas traiter, je ne sais pas, 97-98% d'une grande partie de tes sujets. C'est ça qui est vraiment la force de la pratique aussi. Alors évidemment, il y a des thèmes précis, il y a par exemple les pathologies, les douleurs, il y a les addictions, il y a le problème de sexualité, donc on aura des thèmes connexes parce qu'on veut essayer de répondre à un maximum de besoins et d'attentes aujourd'hui. Hein. C'est aussi l'ambition de ce programme. Mais déjà, quand tu vas utiliser le PIS pour les relations, tu vas traiter énormément de cas de figure dans ton quotidien. C'est ça qui est absolument étonnant. Oui. Et tu n'auras pas besoin qu'on soit là en permanence pour te dire quoi faire. C'est-à-dire que tu sauras faire toute seule. À partir du moment où tu auras compris comment tu choisis les sujets, c'est un des sujets qu'on évoquera en atelier, comment tu les choisis, et puis comment tu les traites à travers le PIS, notamment relationnel, et d'autres PIS qu'on vous proposera. Donc, tu auras une autonomie de pratique au quotidien. Ça, c'est la force de la pratique. Intéressant. Ça fait plus de 2 heures que nous sommes ensemble et nous devrons terminer bientôt. Nous allons prendre encore 2 ou 3 questions avant de donner le mot de la fin. Julie qui demande, j'aimerais savoir ce que vous pensez de l'argent colloïdal qu'on ajoute à l'eau et merci pour tout. Alors, Stéphanie connaît un petit peu, puis moi, je vais compléter aussi, à ma façon, l'argent colloïdal. Oui, alors, moi, l'argent colloïdal, c'est une belle chose à partir du moment où on s'en sert un petit peu d'antibiotiques. Après, moi, je ne connais que cette utilisation-là, à partir du moment où on a, une infection et qu'on souhaite y remédier de manière naturelle. C'est quelque chose qu'on peut utiliser. Après, la source, pourquoi il y a cette infection, pourquoi le corps réagit comme ça. Voilà, il y a certainement des choses à faire en plus au-delà de ce complément. C'est intéressant. Oui, c'est ça. Moi, je vais dans le même sens en le disant un petit peu à ma façon. Mais aujourd'hui, sachez que les microbes deviennent pathogènes dans la mesure où, en fait, leur fréquence reconnaît les fréquences du terrain. C'est l'effet de résonance. Hein. Si vous avez un terrain qui, au niveau des liquides, par les fréquences qui sont émises par les liquides, et donc l'espace entre les liquides, ces fréquences qui sont émises rentrent en résonance
avec, je dirais, la fréquence naturelle du microbe, eh bien, ça se déclenche. Donc, la meilleure immunité possible que je vous propose, eh bien, c'est de travailler au quotidien avec le PIS, si je puis dire, de vivre avec ce PIS, et puis de laisser ces espaces se transformer. Et là, en fait, les microbes ne trouvent plus leur résonance et leur fréquence d'origine. Donc, ils deviennent très silencieux et très calmes. C'est la meilleure immunité qui existe au monde. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est aussi bête que ça. Et l'argent coïdal, tu peux l'utiliser, mais tu vois que le PIS est assez précieux dans ce registre. Une immunité très populaire par les temps courts. Hein? Alors, Manon, question intéressante de Manon ici. Comment savoir si nous sommes vraiment détachés des événements et non pas dans une sorte de déni ou de sympathique fuyant, nous donnant l'illusion d'être en sécurité? Qu'est-ce que vous répondriez? Oui, c'est vrai, c'est une très bonne question, ça, très très bonne. Alors, je dirais que pendant un certain temps, durant les pistes de ces 3-4 dernières années, on a proposé aux participants, à ceux qui nous suivaient, de prendre petit à petit contact avec leur corps. Hein, ça, c'est très important. C'est-à-dire que de ressentir que petit à petit, la subtilité des sensations qu'ils ont dans le corps, eh bien, est accessible au-delà de la grossièreté des émotions et des pensées. Donc ça, c'est vraiment, je dirais, un préalable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le déni, c'est d'abord un rapport au corps et aux sensations qui sont là. Je prends des exemples tout bêtes du quotidien. Hein. J'en avais encore aujourd'hui, où j'étais avec des praticiens de santé. Je leur disais, mais tu sais, c'est pas parce que tu sens une micro-sensation et qu'elle est, je dirais, d'une intensité très faible, que derrière, il n'y a pas quelque chose d'énorme. Hein, d'énorme, c'est-à-dire quelque chose qui a besoin et qui a besoin de se révéler et de se détacher. Je dis souvent, en fait, on peut être dans ce déni des sensations parce qu'elles sont infimes et subtiles, en disant que ce n'est pas grand-chose, mais quand on parle de la pratique du PIS, on descend, on va voir derrière, je dirais, ces micro-mouvements, on se rend compte que souvent, il y a des espaces d'attachement et donc de détachement qui sont énormes. Hein. Alors, la différence va se faire, je dirais, dans le fait que, bah, déjà, tu as peut-être des problèmes de santé, hein, je ne sais pas. Et puis, tu vas le voir dans les situations qui se répètent au quotidien. C'est-à-dire que si les situations reviennent de manière très rapide et qu'à chaque fois, tu réagis de la même façon, c'est qu'il y a sûrement du déni quelque part. Ça veut dire que les molécules d'eau sont toujours très rapprochées les unes des autres. Hein. Mais si tu travailles en détachement, tu vas voir que les situations reviennent dans un premier temps, c'est vrai, elles vont continuer à revenir puisque c'est une mémoire qui se répète, mais que la profondeur de ton détachement va se faire au fil de l'eau. Ça sort un peu de l'idée comme quoi quand on fait quelque chose, eh bien on se sépare des choses. Ça, c'est ce qu'on a appris à l'école. Hein. On a des devoirs, des leçons, on a des examens, puis on trouve des solutions et on a des bonnes notes. Voilà, c'est ce qu'on a appris. Mais le travail est différent pour nous au niveau quantique, à l'image de la conscience qui tourbillonne sur elle-même, la conscience non locale, c'est que, en fait, les événements ne se résorbent pas tout de suite. C'est-à-dire que, dans un premier temps, on se détache dans un certain niveau de profondeur face aux événements, puis ils se détachent. Et puis, ils vont mettre un certain temps à revenir. Et là, tu sais que tu n'es pas dans le déni, puisqu'en fait, ils mettent un certain temps à revenir. Mais quand ils vont revenir, ces événements, tu es resté dans l'espace de profondeur de détachement dans lequel tu étais à l'origine. Hein. Et tu vas voir que ta réaction est très différente. C'est-à-dire que l'événement, il va arriver. Tu vas peut-être encore avoir un petit refus très léger au niveau du corps, mais ça n'a rien à voir avec celui que tu avais avant, où tu combattais, tu pouvais réagir de manière très colérique ou très triste, etc. Et là, tu vas à nouveau travailler dans la profondeur. On voit que la vie, en fait, c'est pas un tire-bouchon, mais un tourbillon en permanence où les événements reviennent et petit à petit, on travaille dans la profondeur du détachement. Et à mesure que ce détachement se fait en profondeur, ben à un moment, les événements sortent de notre vie. Ou deviennent des faits. Ou deviennent des faits, tout simplement. Ils sont là, mais c'est OK. Mais il n'y a pas d'attachement à ce qui se passe. Hein. Donc, tu vas le voir surtout dans les réactions que tu vas avoir face aux événements et la rapidité qu'ils ont à revenir dans ta vie. C'est ça le déni aussi. Martine qui se demande en quoi est-ce différent de la méditation. Mais j'ai déjà expliqué tout à l'heure. Oui, j'ai expliqué dans le précédemment, mais quand même, est-ce qu'on peut résumer? Alors, on peut résumer, tout à fait. La méditation, souvent, en tout cas dans notre pratique, après il y a différentes façons de méditer, hein, évidemment, c'est une présence, je dirais, à quelque chose qui est focalisé. Une méditation, c'est on focalise sur un espace de focalisation. Moi, je sais par exemple qu'on peut accompagner ou inciter, guider nos gens qui nous suivent
à se concentrer sur un point du corps, par exemple, ou plusieurs points du corps. On peut se concentrer sur la respiration. Donc, l'invitation, on se focalise sur quelque chose, d'accord ? Et puis, on reste concentré. Et on a besoin au quotidien, parce que quand on fait un pis, souvent, c'est très aidant. Parce que souvent, on est dans une scène, et puis on a du mal à rester dedans. Pourquoi ? Parce que, je dirais, notre mental a tendance à fuir les événements pour éviter de s'en détacher. Donc, la méditation, c'est très utile, parce qu'il y en a eu notamment dans le programme, parce que ça permet de se focaliser sur un espace de conscience, d'accord ? Un point de focalisation. Donc, c'est très aidant. Le PIS n'est pas une méditation, parce que le PIS part d'événements de notre vie, dont on a des sensations et des images, et on passe dans des mantras qui nous permettent, dans un espace de conscience qui est une conscience non locale, de nous abandonner à ces événements très précis de notre vie. Hein. Donc, on est dans quelque chose qui est très actif et qui permet de nous en détacher. On n'est pas dans un espace de focalisation, on est dans un espace de, je dirais, d'accueil de ces scènes et de répétition intérieure du mantra et en même temps d'abandon total aux sensations et au mantra qui est là. Donc, c'est un double ou un triple travail, si je puis dire, et qui pour nous est différent d'une méditation aujourd'hui. Merci pour ces précisions. Avant de nous quitter, je vous invite à cliquer sur le bouton ci-dessous. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions concernant le programme de formation et d'accompagnement qui débute dans les prochains jours. L'été est d'ailleurs un moment idéal pour prendre du temps pour soi. La période des vacances est parfaite pour amorcer les changements que l'on souhaite voir survenir dans notre vie. C'est une très, très belle période pour débuter ce programme, n'est-ce pas, Stéphane et Stéphanie? Oui, tout à fait, parce qu'on a le temps d'accorder du temps à cette pratique. Et en fait, c'est là que va se faire le changement au départ. Je dis souvent aux praticiens qui se forment ou aux gens qui viennent nous voir en séminaire, là, vous avez suivi X jours de séminaire, hein, parfois plusieurs, mais je leur dis, mais c'est demain que le changement va se créer. Est-ce que demain matin, vous allez vous remettre tout seul à votre pratique? C'est là que va se faire la différence. Hein. Et donc, on vous invite de profiter, on vous invite vraiment à profiter de ces vacances pour avoir votre pratique au quotidien. Au début, vous pouvez commencer par 25 minutes, par exemple. Et puis, au fil de l'eau, vous allez voir que vous allez avoir besoin. Tous les gens qui ont mis le nez dedans, si je peux dire, à un moment, et qui ont vu vraiment des changements majeurs dans leur vie assez rapidement, eh bien, ça fait partie de leur hygiène de vie au quotidien. Quand vous accordez 30 minutes à cela par jour, c'est juste 2% de votre journée. Est-ce que vous êtes prêt à accorder 2% de votre journée pour transformer, je dirais, non pas 1% de votre vie, mais 99% qui reste. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous voyez le rapport un peu, c'est un calcul qui est rapide quand même. 2% de ma journée pour être plus présent aux autres, plus détaché, plus, je dirais, joyeux, plus aimant, plus tout ce que vous voulez, silencieux, etc. Et en même temps, plus efficace, avoir plus de vitalité. Rappelez-vous, on l'a évoqué, hein, ces zones d'eau cohérente dans le corps qui permettent justement d'absorber la lumière, c'est notre batterie. Donc, quelqu'un parlait tout à l'heure d'une dépression, il était très fatigué. Je crois, ou une autre pathologie, eh bien, vous allez voir qu'en fait, vous allez regagner en vitalité en plus. Hein. Donc, ça, c'est pas mal pour les vacances. Hein. Stéphane et Stéphanie, je vous remercie infiniment pour ces trois magnifiques ateliers que nous avons eus ensemble. Les témoignages de gratitude et de reconnaissance sont vraiment très nombreux et c'est un bonheur pour l'Académie Papillon d'organiser ce programme de formation et d'accompagnement en votre compagnie. Une magnifique aventure se prépare pour nous dans les prochains mois et maintenant, je vous laisserai le mot de la fin pour clore cette belle série de trois rencontres. Ben, on a envie de vous dire, je ne sais pas, prenez un peu de hauteur par rapport à ce qui vient de se passer, regardez peut-être encore les ateliers. Écoutez l'élan qui vous appelle. Il y a quelque chose qui, du fond du cosmos, essaye de vous envoyer un message qui est « Mais est-ce que tu écoutes le battement de ton cœur ? Est-ce que tu écoutes cet élan intérieur ? Est-ce que tu écoutes les peurs de cet élan intérieur aussi ? Parce que ça fait partie du jeu aussi, c'est humain. Hein ? Et qu'est-ce que te dit cet élan ? Est-ce qu'il te dit « J'y vais » ou « Je n'y vais pas » ? Et que peu importe la décision que vous prendrez, de toute façon, ce sera la bonne dans l'instant où vous la prendrez. Donc, toutes les 10 puissance 44 fois par seconde, la vie nous rappelle ce que l'on est. Et si, au lieu de passer 10 puissance 44 fois par seconde de manière intermittente, vous passiez l'essentiel de votre journée
en contact avec ce que vous n'avez jamais cessé d'être, votre nature véritable, et que vous en fassiez l'expérience au quotidien et que ça devienne ce que vous êtes à nouveau, ce qui était l'espace nourrisson. Et rappelez-vous ces moments où vous étiez tout bébé, peut-être un peu plus. Hein. Je pense à ma fille qui court souvent, je dirais, dans la cour et dans les parcs, où vous couriez sans vous poser de questions, dans les jardins, dans les cours, dans les champs, peut-être aussi, hein, dans les allées. Rappelez-vous, dans la neige, pourquoi pas, ben oui, au Québec, forcément, hein, et puis dans d'autres pays. Rappelez-vous de ces moments-là. Et si ces moments-là ont un sens pour vous, eh bien, ils vous attendent là, dans les 6 prochains mois qui viennent. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Stéphanie, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais envie de partager. Oui, bien sûr, je me joins à Stéphane pour cette invitation à regarder l'élan intérieur, cet élan d'enfant qui est toujours là. Voilà Pierre, voilà Annie, merci pour ces partages et merci à vous tous d'avoir été présents, chacun à votre façon. Et puis, si vous avez envie de baigner, de vous imprégner encore de tous ces partages, eh bien, vous avez encore quelques jours pour, je dirais, regarder ces ateliers et puis un moment, écouter ce qui est là. Voilà, écouter cet élan ou pas d'aller vers la vie illimitée.